Bonjour chers auditeurs et auditrices et chers amis, très heureux de vous retrouver, prêts pour passer les 3 heures de sport ensemble sur la radio qui mouille le maillot Sport FM. C'est Samedi Sport, comme tous les samedis, la référence sportive. Eh bien, le rendez-vous de ce 23 octobre 2021 parle naturellement des éliminatoires de la CAN Maroc 2022 de football féminin et les éperviers dames qui ont surclassé leur homologue de Sao Tomé, Principe, 5-0 avec un triplé de Odette Nitegman. Seule fausse note, le carton rouge de ma fille Wedikou, on en parle. Et puis cette félicitation justement de Madame le ministre des Sports Lydie Bessicama à l'endroit des éperviers dames. Et en même temps, elle invite tout le public sportif à soutenir cette équipe pour d'autres brillantes victoires. Ouverture de la saison 2021-2022 de football, c'était le 18 octobre dernier, il y a juste quelques jours. Dans les états-majors des clubs, on s'apprête comme on peut. Changement de staff technique, de bureau, dirigeant, match amico, ça et là. Bref, tout le monde veut être prêt pour le 28 novembre prochain. Une formation pour les gardiens de but et leur entraîneur. C'est à l'intérieur du pays. Paolo Duarte et son staff sont à Cara. Nous allons écouter Felipe Moreno, entraîneur des Gaules des Éperviers. Le coach des Gaules d'Asco et Paolo Duarte lui-même sur cette formation à l'endroit des gardiens de but et de leur entraîneur. Une mission de la FIFA au Togo. Objectif de cette visite, la présentation du projet Forward 2.0, l'organisation administrative au niveau de la Fédération Togolaise de Football, visite du Centre Technique National à Bagbé. Céline Zigol, manager de programme de développement de la FIFA pour la zone Afrique. Eladj Wak Diop, directeur du bureau régional de la FIFA Afrique de l'Ouest, et Nathaniel Nascimento Brito, coordinateur des projets de développement de la FIFA pour l'Afrique de l'Ouest. C'est ça, la délégation de la FIFA. Guler Inoussa est en ligne pour les nouvelles du Septentrion, notamment cette formation à l'endroit des gardiens de but et de leur entraîneur. Angelo Folico est de la partie. Il va évoquer naturellement avec moi la page Europe et internationale, et notamment ce week-end tout feu tout flamme dans les majeurs avec Liverpool, Manchester, Barcelone, Real Madrid, Inter, Juve ou encore Paris Saint-Germain, Marseille. On n'a pas besoin de sortir, hein, être devant sa télé avec des pop-corn, pourquoi pas de la bière, et savourer, on va dire, cette superbe journée de football de dimanche en Europe. On parlera aussi de la vitesse avec la Formule 1, le prix des Amériques et puis le MotoGP à Émilie-Romagne en Italie. Pour l'occasion, Samedi Sport reçoit Pafio Dobou, directeur des compétitions nationales et internationales à la Fédération Togolaise de Football. Henri Dessandiagba, le patron du FIFA Connect à la FTF. Ico Rodrigue, Mohamed Touré et John Atisso sont également de la partie. Samedi Sport, mise en onde, Théo Ajavon. La vidéo, comme toujours, et naturellement, c'est l'affaire d'Elom Adovon ou bien Sœur Von Elom, comme vous voulez. Moi, je suis tout simplement Franck Nouniama. Bonne arrivée. Eh bien, il est l'heure de vous faire un clin d'œil, vous, auditeurs, vous qui nous accompagnez, qui nous soutenez depuis toujours, avant le démarrage effectif de cette émission. Eh bien, on pense à Hans Massereau. Bonjour. Voilà, vous le connaissez, il était au début de cette radio, ancien journaliste de Radio Lomé, il est BBC et puis actuellement il est patron de la communication d'une agence au Niger, là-bas. Bonjour, doyen Hans Massereau. Bonjour également à tous les auditeurs, on va en oublier certainement. On dit bonjour au président Kamal, bonjour au sénateur Palmer, Kadenou Kade, Brook Radio Faustin, bonjour Mama Togo, Mama Sport FM, Mama Gorozozo et Pervier de Kégué, bonjour, tout va bien j'espère. Algor Agoniran, on salue également Gérard Sélassié, Thomas du Grand Marché, Dodi Le Mancunier, Francis Doku. Merci de nous soutenir, Nabédé Meza, Mariam Tetoufeya, on dit bonjour également
à, on va dire, Orphée, dit le badaud, pas très loin d'ici. On n'oublie pas David Maoubidjrou Reynard, voilà, depuis la France, qui nous encourage, qui nous suit toujours dans tout ce que nous faisons, les confrères qui viennent nous encourager, nous soutenir ici. Ils sont nombreux, on ne peut pas finir de les citer. On va saluer la maison naturellement est devant moi, Elom Adovon, Théo Ajavon, bonjour Jules Gamilgo, Michel Abali. On dit bonjour à Roméo Etor, Angelo Folico et Janita Blavotri. Bonjour à Kelly, à Kouesso Latif, Iruma, Grégoire Attignon, Antoinette Cabouret. Bonjour Yvette Clousset, le superviseur Aimé Ekbe. On n'oublie pas de saluer la direction générale tenue par Gina Lawson. Bonjour également au fondateur de la radio, l'honorable Joseph Kofi Tiko à Koda. On salue naturellement les amis précieux. On commence par Alfreda Wotor. Bonjour. On dit également bonjour et excellent week-end à Serge. Bonjour à Gabine, Damari, Tata Thérèse. Bonjour. Tout va bien, j'espère. On n'oublie pas Jérémy, puis Roger et Venamédé. Ils sont très nombreux. Vous passez un très bon week-end, un excellent week-end en compagnie de la radio qui mouille le maillot. Et là, vous savez, vous connaissez la première rubrique, c'est bien la page Europe et internationale avec en studio Angelo Folicoué. On parle de la Ligue européenne des champions, la troisième journée. On parle ensuite des majeurs avec de super matchs ce dimanche, comme Liverpool-Manchester United, comme Juventus Inter Milan, comme Real Barça, comme encore Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Est-ce qu'on peut sortir de la maison? Je ne pense pas. Hein. Voilà, on y va avec Angelo Folicoué. Et quel plaisir pour nous de vous retrouver, chers auditeurs et auditrices, pour la première partie de Samedi Sport sur la radio qui mouille le maillot. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver quand il sonne, on va dire, 9h, après quelques minutes sur la radio qui mouille le maillot. La référence sportive et la première rubrique, c'est bien la page Europe internationale. Et comme toujours, nous recevons Angelo Folicoué. Bonjour. Salut Franck, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Et là, on va commencer par ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus prestigieux au niveau des clubs européens. Je parlais de la Ligue européenne des champions, la journée 3. Et après, qu'est-ce qu'on peut, on peut dire des performances des joueurs africains? Je pense que d'abord, la Ligue des champions, on sait très bien que c'est une compétition étoilée, attendue, même convoitée par les plus grands joueurs, les joueurs intéressants qui font plaisir sur le pré. Et donc, les Africains également, ils font partie, même si ils ne sont pas très nombreux dans les différentes grandes escouades sur le vieux continent. Mais toujours est-il qu'il faut saluer ceux qui font la pluie et le beau temps au sein de leur club, notamment Mo Salah, qu'on ne va pas du tout passer sous silence, qui, à chaque journée, à chaque sortie du club liverpooldien, il essaie toujours de sortir la tête haute, conduire l'équipe vers le succès. La dernière fois, on l'a vu marquer un doublé, puis derrière, c'est Nabi Keita également qui s'offre une habitude dans le jeu de toujours mettre le pied là où il faut pour permettre à son équipe de gagner des points. Donc, je pense que les performances de Salah l'Égyptien et de Nabi Keita le Guinéen ne sont pas du tout à négliger. Il faut également saluer la perf de Sébastien Haller. Alors qui, voilà, mine de rien, est dans une équipe qui sait jouer au football, même si les dernières années où on n'a pas vu l'Ajax aller en finale, voire le remporter, c'est depuis les années 90. Mais bon, on se rappelle qu'il y a deux ou trois saisons, l'Ajax a créé la sensation en éliminant le Real Madrid. Et n'eût été cette solide équipe de Tottenham. Sinon, l'Ajax, pourquoi pas, il serait en finale face à Liverpool, justement, qui avait remporté le trophée en 2019. Donc, il y a d'autres joueurs africains. Ils sont, c'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux dans cette compétition, mais il y en a. Lorsqu'on prend par exemple Atlético de Madrid, on parlera de Thomas Partey. Il y a d'autres joueurs qui font la pluie et le beau temps et qui font la fierté du continent africain dans beaucoup de clubs alignés dans cette compétition de la Ligue européenne des champions. On n'en finira jamais d'en parler. Ils font vraiment la fierté du continent. On va continuer avec les gros enseignements
de cette troisième journée. Oui, les grands enseignements, je pense que le Bayern, la Juventus sont à peu près à un demi-pas de la qualif. Je pense que la quatrième journée, les escouades qui ont pris le maximum de points vont tout faire pour se qualifier, histoire de se mettre un peu à l'abri avant la trêve hivernale. Et puis voilà, enchaîner derrière à partir des huitièmes de finale. Je pense que, mine de rien, le Bayern continue son petit bonhomme de chemin avec cette pression qui ne dit pas son nom sur Nagelsmann. Mais j'ai l'impression qu'il le transforme, qu'il la transforme très très bien et le transmet également à ses joueurs. Parce que oui, Hansi Flick a mis la barre très très haut. Et donc Nagelsmann est obligé de faire comme lui. Sinon, voire la même chose, voire plus. Voilà. Et à chaque sortie du FC Hollywood, les critiques négatives doivent être beaucoup plus moindres que les superlatifs. Et aujourd'hui, vous avez une attaque de feu, des joueurs considérés et en même temps respectables sur le terrain. Thomas Müller, Gnabry, Lewandowski, Leroy Sané, qui mine de rien, vu son changement, son positionnement sur le terrain a beaucoup plus d'impact dans le jeu du Bayern depuis 3 voire 5 matchs. Il est beaucoup plus sur le côté et donc il repique dans l'axe, histoire de trouver soit Lewandowski, soit Gnabry de l'autre côté. Je pense que pour l'instant, Leroy Sané s'y plaît très bien. La Juventus, mine de rien, est en train de se mettre dans un mouvement de retrouvailles, de bonne forme avec Max Allegri. On se rappelle très bien que voilà, la période Pirlo a été très très compliquée. Oui. Max a remis les choses en place. C'est vrai que la Juve n'est pas aussi dominatrice dans le jeu, mais l'essentiel, c'est de marquer avec des joueurs comme Kulusevski, qui n'est pas forcément la star la plus attendue de l'escouade Juventini. On attend beaucoup plus Dybala, qui serait de retour très bientôt, Cuadrado, Chiesa et Morata. Voilà des joueurs beaucoup plus confirmés côté Juve. Mais au-delà de ces joueurs-là que nous venons de citer, s'ils ne sont pas en forme, ceux qui sont là, entre guillemets, comme remplaçants, doivent faire l'affaire et ça permet justement à cette équipe-là de faire du bien. Il faut également reconnaître que le Paris Saint-Germain, dans la douleur, dans la difficulté, dans des moments compliqués face à une équipe de Leipzig qui était très en forme, mais bon, comme toujours, lorsque vous êtes un peu au-dessus de l'autre, vous arrivez toujours à faire la différence avec les individualités dont vous disposez. Mais je me dis aussi que autant les critiques sont nombreuses à l'endroit de cette équipe du Paris Saint-Germain, ça devrait pousser Pochettino à réfléchir à la philosophie du jeu qu'il veut quand même donner à cette équipe du Paris Saint-Germain. Oui, on ne cessera jamais de le dire, il a une très belle compagnie de joueurs, mais c'est à lui de réfléchir avec son entourage, son staff, de voir exactement quel joueur est capable. Il n'a pas encore la meilleure stratégie. J'ai l'impression qu'il titube, il dandine, il a du mal à trouver la meilleure formule qu'il faut, mais aussi les joueurs doivent se sentir impliqués. Oui, lorsque vous évoluez dans un club où vous êtes gracieusement payé, je pense que le minimum de professionnalisme à avoir, c'est de mouiller le maillot et de prouver que vous méritez cette place-là. Pour certains joueurs, le fait peut-être de jouer au Real, au Bayern, à United ou au Barça, ça suffirait de se décupler. Mais lorsque vous jouez également au Paris Saint-Germain, où tous les moyens sont mis à votre disposition, donnez le meilleur de vous-même et faites taire les critiques. Mais malheureusement, on a l'impression que le Paris Saint-Germain a le malin plaisir d'évoluer souvent en dents de scie, histoire de s'attirer la foudre de la presse. Est-ce que ça les aide? Possible, mais attention, s'il faut jouer tout le temps avec le feu, on finit toujours par s'y brûler. De toute façon, on va faire un clin d'œil aussi au champion en titre, Chelsea, qui recevait quand même Malmö. Tout le monde savait que ça allait passer, mais pour Tourelle, rien n'est facile en Ligue des Champions. Pas du tout. Et surtout, vous l'avez dit, ce match, certes face à Malmö, c'était à domicile, mais je pense que c'est aussi ça, la responsabilité d'un coach arrivé, même si c'est vrai, en championnat, on est leader, de pouvoir assurer également, voire assumer son statut au niveau de la Ligue des Champions. D'aucuns vous diront non, l'essentiel pour Chelsea, c'est de tout faire pour ne serait-ce que regagner la première Ligue anglaise. Oui, c'est possible, mais au même moment, n'oublions pas que les Blues ont remporté la Ligue des Champions à la barbe de Manchester City qui court derrière ce trophée depuis plusieurs années. Et donc, ils sont obligés de pouvoir marquer leur territoire. Ils l'ont fait, même si la tuile, ça reste les blessures de Romelu Lukaku et de Timo Werner. Normalement, Tuchel doit
tout faire pour demander à son staff médical de les remettre rapidement sur pied. Vous vous souvenez de la période Mourinho avec sa fameuse docteur qui était là, le Sonia Carneiro, qui voilà, n'arrivait pas à ménager comme il se doit les joueurs blessés du côté de Chelsea. Ça a créé une grosse brouille entre Mourinho et son staff médical. Espérons qu'avec Tuchel, voilà, les blessures de Romelu Lukaku et de Werner ne soient pas en tout cas une grosse difficulté pour lui. Parce que même si Romelu Lukaku ne marque pas depuis 3 voire 4 matchs, et Timo Werner blessé, aïe aïe aïe, je me dis que c'est deux pions très essentiels du dispositif de Tourelle là, qui serait tout simplement un handicap pour lui pour la suite. Romelu Lukaku, de toutes les façons, qui a le soutien de son entraîneur, qui le comprend. Il semble qu'il est psychologiquement fatigué avec tous les matchs qu'il a joués et espère le retrouver à un très bon niveau bientôt. Que dire de la prestation de cette équipe en C3 Dakar, c'est ça ? Je pense que c'est une belle surprise. Hein. Patson Daka, c'est un joueur zambien que beaucoup commencent à découvrir du côté de la première ligue anglaise. Il était entre-temps du côté de l'Autriche. Il a été transféré à 30 millions d'euros par Leicester. Ça n'arrive pas tous les jours. On connaît très bien les joueurs qui sont là-bas en tant que Iheanacho, Vardy. Mais on sent que c'est une pièce, une plus-value pour le groupe de Brendan Rodgers. Il avait déjà signé son premier fait d'armes face à Manchester United en Première Ligue. Il devenait le premier Zambien à marquer dans le championnat anglais. Et puis la semaine qui suit, il claque un quadruplé face à cette équipe de, je pense c'est le Spartak. Mais c'est une équipe russe là. Et il marque un quadruplé. Ça n'arrive pas tous les jours. Et Dakar, quoi qu'on dise, on pourra peut-être aujourd'hui commencer à justifier le fait de mettre autant d'argent sur lui. Et voilà, il rentre dans la caste des meilleur joueur buteur à 4 reprises dans la compétition, comme Cavani et tous les autres, sauf Haris Adouris, qui lui, en un seul match, en a marqué 5. Je pense que c'est une performance à applaudir pour Dakar. Est-ce un énième Africain capable de faire la pluie et le beau temps en Première Ligue? C'est possible quand on voit la qualité et surtout le profil du joueur. C'est un joueur à suivre de très très près. On le suivra de très près. De toutes les façons, on en a fini avec la plus prestigieuse des compétitions au niveau des clubs en Europe. On va parler maintenant des majeurs avec un super dimanche de foot, comme on le dit. Et il n'y a que des classiques dans les différents championnats. Lorsqu'on commence par la Première Ligue, le 9e acte, on a ce match entre Manchester United et Liverpool. Alors on est très excité, hein, dans le bon sens du terme. Hein. On est vraiment emballé par ces affiches. On ne sait pas où on va aller ce dimanche, si ce n'est rester dans son canapé avec voilà, une bonne bière et des pop-corn à côté. Mais je pense que d'abord, le match United-Liverpool, c'est du classique, tout simplement. C'est le North West Derby of England. Deux escouades qui ont tellement d'histoire, qui ont gagné des trophées à la ramasse, qui, voilà, United, ça fait 20 titres de Première Ligue, Liverpool, ça fait 19. Donc, Liverpool n'est plus très loin de Manchester United, le fait de pouvoir l'égaler et pourquoi pas de le dépasser. Maintenant, sur la forme du moment des deux équipes, j'ai envie de dire que Liverpool respire beaucoup plus la cohésion, la certitude, la confiance dans le jeu. Et même si, voilà, l'équipe qui est en face, vous résiste. Liverpool finira toujours par renverser la situation. Maintenant, c'est un match de football. Il faut toujours miser sur un petit brin de prudence. Est-ce que United va se laisser faire à domicile? Est-ce que le fait, par exemple, que United ait pu renverser l'Atalanta Bergame, une équipe également très joueuse, mais qui n'a pas su garder cette cadence de deux buts qu'elle avait face à United, est-ce que les Red Devils vont tout faire pour s'inspirer de cet état d'esprit-là pour tenir tête à Liverpool? C'est une possibilité, mais je me dis que quand vous avez devant Salah, Mané et puis Jota, sans oublier Firmino, je ne sais pas comment Ole Gunnar Solskjaer trouvera la magie, l'alchimie nécessaire pour contrecarrer cette armada offensive de Liverpool. Mais toujours est-il que c'est un match de football. Liverpool est deuxième au classement. Si jamais Liverpool gagne et qu'en entre-temps Chelsea perdait, alors les Reds reprenaient la tête du championnat. Maintenant pour Liverpool, et pardon pour Manchester United, le plus gros défi, c'est de revenir dans le top 5
et pourquoi pas dans le top 3. Bon, on n'est qu'à la 9e journée du championnat, de toutes les manières. Je vois déjà la place de Ferguson qui est réservée dans les tribunes. Déjà, ça n'a rien à dire. Dans ce match, tout bouillantissime. De toutes les façons, c'est un match, un super match. Les deux clubs ont fait un super match en Ligue européenne des champions. Manchester contre Atalanta et puis Liverpool contre Atlético de Madrid. Ça promet. Lorsqu'on va juste pas très loin en Espagne, ce sera la 9e journée de la compétition, la Liga. Et ce classico, voilà, qui ne laisse personne indifférent, même si les deux clubs aujourd'hui sont un peu diminués, FC Barcelone, Real Madrid. Je pense que vous le dites bien, c'est une question aujourd'hui de génération, une nouvelle génération de joueurs. D'abord, il y a les anciens. Je voudrais citer côté Barcelone, Piqué, Alba, Ter Stegen ou encore Busquets. Côté Real Madrid, il y a Karim Benzema, Modric, Casemiro ou entre autres. Voilà les joueurs qui sont à pratiquement des anciens. Côté madrilène. Maintenant, il y a la jeune garde également qui est en train d'arriver, très ambitieuse. Côté Merengue, vous avez Vinicius Junior, Valverde, Lucas Vasquez et que sais-je encore. Et puis en face, côté Coulé, vous avez voilà, des joueurs comme Gavi, Pedri, Ansu Fati, qui aussi ont envie de mettre un peu, je dirais, des leurs sur cette empreinte ou bien sur cette rencontre qu'est le Classico. N'oublions pas également de préciser que c'est la première fois de l'histoire et que Messi et Ronaldo ne seront pas du tout présents dans ce classico. Les deux ont quitté la Liga. Le premier, c'était Cristiano, après c'est Messi la saison dernière. Donc, quand on voit un peu la dynamique des deux équipes, je vois beaucoup plus de certitude côté merengue avec cette attaque amenée par Karim Benzema, Vinicius qui peaufine progressivement ses finitions. Est-ce que cette défense-là amenée par Piqué, Minguesa, saura vraiment résister à l'altruisme et l'intelligence de Karim Benzema et de Vinicius? La question reste posée, mais de toutes les façons, côté catalan aussi, on a des valeurs sûres. On a Memphis Depay capable sur un coup de rein de faire la différence. On a également Ansu Fati qui, mine de rien, est capable également de faire la différence, sans oublier Frenkie de Jong et puis tous les autres. De toutes les façons, c'est un match de classico. Oui, les grands anciens noms que l'on connaît ne sont plus là aujourd'hui, mais toujours est-il que c'est un match de championnat. Le Barça gagne, il se rapproche beaucoup plus du trio de tête. Si c'est le Real qui gagne, alors le Real va passer devant la Real Sociedad, histoire de se mettre encore une fois, je peux dire, assis dans son fauteuil de leader. Oui. En Italie, on n'a pas le temps de s'ennuyer également ce dimanche-là parce qu'il y a un match assez intéressant entre la Juventus et puis l'Inter Milan. C'est la 9e journée là aussi. On se rappelle que la saison dernière, l'équipe qui a fait mal à la Juventus, c'est l'Inter Milan, qui a brisé l'hégémonie justement des Juventini, qui restait sur 9 sacres d'affilée. Et j'ai envie de dire que c'est une rencontre de revanche. Parce que là, Max Allegri est passé entre-temps aux oubliettes, Andrea Pirlo était aux affaires, mais on a vu que le bilan était simplement catastrophique et on a dû encore appeler le sapeur-pompier Max Allegri pour venir rapidement éteindre le feu. Et là, on reconnaît ou bien on revoit une autre équipe de la Juventus en bonne santé au niveau de la Ligue des Champions et qui remonte petit à petit au classement du côté de la Serie A italienne. Et donc, des joueurs comme Federico Chiesa, Cuadrado, Dybala qui est attendu dans ce match face à l'Inter Milan parce qu'il était blessé à la cuisse. Il a fait entre-temps un tour du côté de l'Argentine. Il est revenu justement du côté du Piémont et donc très attendu pour ce match-là. Et je me dis que la Juventus est capable d'aller battre l'Inter Milan de l'autre côté. Maintenant, c'est Giuseppe Meazza. Simone Inzaghi, l'entraîneur, n'est pas très content par rapport à la dernière défaite subie en championnat. Ça l'a dit. Voilà, même s'ils se sont repris rapidement face au Sheriff Tiraspol en Ligue des Champions. Mais là aussi, Lautaro Martinez est très attendu, tout comme De Vrij, Dumfries et tous les autres. De toutes les manières, Inter-Juve, oui, ça sent la poudre. Ça sent la poudre entre Nerazzurri et Bianconeri. On verra bien ce que ça donne dès ce dimanche-là en Ligue 1. On parle français maintenant, la Ligue 1 française naturellement. Et la question qui revient chaque fois depuis plusieurs années, est-ce que enfin l'OM dispose des armes
pour faire mal au Paris Saint-Germain. Heureusement que le football n'est pas seulement que l'engagement, l'envie à donner sur le terrain, la grinta, mais il faut également avoir des joueurs de qualité. Quand on rentre un peu dans l'histoire de ce classique, le premier match entre les deux équipes remonte à 1971. À partir de cette année, il n'y avait pas de rivalité, c'était des matchs ordinaires, mais déjà en 85, la rivalité a commencé justement à pointer son bout du nez, et puis l'air tapis, on sait ce que ça a proposé, l'air Deniso côté Paris Saint-Germain. On a vu également ce que ça a montré dans justement le secteur des médias, à la radio et à la télévision, des ultras qui viennent avec des banderoles, avec des mots pas très très gentils à l'endroit de l'autre groupe de supporters. Et on a compris qu'entre-temps, oui, le fait que l'Olympique de Marseille a été racheté plus d'une fois par d'autres propriétaires, et puis côté parisien également, le Qatar qui est arrivé à partir de 2012, on a compris que la rivalité a encore pris beaucoup plus de l'ampleur. Maintenant, à l'heure où nous parlons, le Paris Saint-Germain avec tous ses joueurs, je pense que ça va se jouer beaucoup plus sur l'efficacité. L'équipe qui aura à perdre beaucoup plus de balles aura vraiment à avoir des difficultés dans le match. Mais beaucoup plus, si le Paris Saint-Germain arrive, pourquoi pas, à ne pas tomber dans le jeu marseillais, alors là, Paris pourra rapidement sortir la tête de l'eau parce que les Marseillais vont tout de suite se mettre dans leur ambiance parce que c'est au Vélodrome à guichet fermé. Et sur chaque geste, sur chaque contact, les Marseillais vont chercher à être belliqueux, histoire de sortir les Parisiens de leur match et voilà, leur faire, on pourra dire, écoper plusieurs cartons et qui pourra peut-être aller à l'avantage de l'Olympique de Marseille. Mais tout ça reste hypothétique, c'est sur le terrain qu'on verra exactement si les hommes de Sampaoli sont capables de pouvoir renverser leur homologue côté parisien. Mais également reconnaître que côté marseillais, il y a des qualités. Il y a Sendiz Under, vous avez Milik qui recommence à marquer, vous avez Paul Lirola qui également, quand il est en forme au milieu de terrain, ça va très bien. Guendouzi. Dimitri Payet, voilà, Guendouzi et tous les autres. Ce sont des joueurs de valeur. La seule peut-être fausse note, c'est de ne pas peut-être voir Mandanda remplacer justement par Paulo Lopez dans les buts. Ouais. Sampaoli est-il en train de le garer? C'est une possibilité. Mais toujours est-il que côté parisien, Messi, Mbappé, Neymar annoncé pour un retour du côté du Vélodrome. Est-il incertain ou pas? On ne donne pas suffisamment d'informations, mais on attend de voir s'il sera titulaire. De toutes les manières, c'est un classique à ne pas du tout rater. Qui va gagner ce duel entre Argentin, Sampaoli et puis Pochettino? Ah oui. On verra très bien. C'est un match à part. Hein. Ouais. C'est un match qui divise. Sampaoli qui était entre-temps le sélectionneur de Messi en Argentine. Voilà. Donc, on verra bien. Ça donne envie d'aller au Vélodrome pour suivre ce match. La Bundesliga avec la 9e levée, ce match entre le leader, le Bayern, et puis le 9e Hoffenheim, c'est fait déjà. Le gros défi d'Hoffenheim, ce serait de finir ce match sans prendre de but. C'est là où c'est très compliqué, parce que depuis le début du championnat, Hoffenheim a toujours encaissé un ou deux, trois buts. Et c'est vraiment compliqué pour cette équipe-là de résister, en tout cas, à la force, à la puissance offensive de cette équipe bavaroise. Même si c'est vrai, dans un match de football, les Bavarois, ça peut arriver, de peut-être voir de haut l'adversaire, de s'oublier parfois, de ne pas mettre l'effort ou l'impact nécessaire. Ça pourra permettre aux hommes... aux joueurs d'Offenheim de faire la différence, tout comme voilà, Ilas Bebouki la dernière fois a ouvert son compteur but avec un doublé. Ça pourra lui donner des ailes, ce qui est bien normal pour un joueur, parce que à chaque match que vous faites des exploits, vous faites de bons résultats, vous avez envie de continuer sur cette lancée, histoire de rester justement dans cette bulle de confiance. Maintenant, c'est le Bayern Munich avec des joueurs confirmés. Ça peut passer, mais je vois beaucoup plus le Bayern à la maison, tout tranquillement. Est-ce que le Bayern va faire le même coup comme il a fait face au Bayern Leverkusen en 35, voire 38 minutes? On a mis 5. Je crains pour Hoffenheim, mais au même moment, Hoffenheim est capable avec Baumgartner, qui également est un bon buteur, qui dépasse même au compteur but un certain Kramaric, qui n'est pas encore dans le feu de l'action. Je mets une pièce sur le Bayern qui naturellement devrait prendre la mesure de cette équipe d'Offenheim, parce que derrière il y a Dortmund également, ouais, qui n'est pas loin du tout
du FC Hollywood. Voilà, et ça devrait passer pour ce rouleau compresseur qui est le Bayern de Munich. On attend de voir, mais rappelons quand même que Hoffenheim a été l'un des rares équipes à battre le Bayern de Munich la saison dernière. Et on a fini de parler football. On va s'intéresser maintenant à ce pays où se pratique le basket de la plus belle des manières possibles. On parle de l'ouverture de la saison au niveau de la NBA. Et là, on a déjà des idées sur certains favoris. Oui, les observateurs déjà pensent à l'équipe de Brooklyn Nets, oui, emmenée par justement Kevin Durant, James Harden, même si pour le moment Kyrie Irving est toujours en bras de fer avec la Ligue quant à son refus de se faire vacciner contre la Covid. Et donc, il y a beaucoup plus de discussions avec lui, mais sans langue de bois. Et James Harden et Kevin Durant sont capables à eux deux de conduire cette franchise-là à aller, pourquoi pas, jusqu'au bout de la compétition. Si jamais, je le dis bien, les deux ne sont pas blessés, alors ça pouvait normalement être fait. Les Lakers également peuvent revenir parce que LeBron James est toujours insatiable, toujours à la quête justement d'une nouvelle bague. On le sent beaucoup plus motivé de pouvoir travailler avec Anthony Davis parce que c'était le duo qui avait fait le travail il y a deux saisons avant de voir Milwaukee passer justement la saison dernière en tant que champion. Et justement, les Bucks amenés par Giannis Antetokounmpo ne sont pas du tout à mettre dans une armoire. Il faut également les considérer comme favoris ou l'un des favoris au titre final. Pourquoi pas également la formation de Golden State, même si c'est vrai, les deux premiers matchs, ils ont gagné avec la manière. Mais attention, quand vous n'avez pas encore un Klay Thompson en forme, qui n'est pas encore revenu, si c'est Steph Curry qui va toujours sortir 40-45 points, sur des matchs couperés, des matchs intéressants, une, deux fois, ça pourrait passer. Mais sur la longueur de la saison, ce serait très compliqué. Et on peut parler aussi des outsiders. Oui, les outsiders, on peut citer Phoenix Suns, les Suns qui étaient en finale la saison dernière avec Devin Booker et puis Chris Paul. Pourquoi pas, ils peuvent encore revenir avec une autre envie de faire quelque chose de nouveau. On doit également citer les Philadelphia 76ers de Joel Embiid qui a fini à un cheveu du titre de MVP derrière Nikola Jokic. Il peut lui aussi se redonner une certaine confiance en se disant que oui, la dernière fois, j'ai juste échoué d'un tout petit pas. Pourquoi pas revenir rapidement dans la danse? De toutes les façons, c'est une NBA qu'on va suivre de bout en bout et on aura toujours le plaisir de décrypter les affiches dans Samedi Sport. T'as peut-être oublié, on va dire, le club du français, les Jazz. Les Utah Jazz de Rudy Gobert. Rudy Gobert, oui, pourquoi pas. Lui aussi qui sera à la quête de nouveaux titres de meilleur défenseur de la Ligue. Oui, mais s'il est toujours bien entouré, ça fera une bonne différence, pourquoi pas. Et les Africains attendus? Joel Embiid, naturellement. Ouais. Ça, on va jamais sous-estimer la performance de ce joueur, même si parfois il est blessé, ou soit la concurrence souvent est rude parce qu'il y a des joueurs de très bonne qualité au niveau de la Ligue. C'est très compliqué de pouvoir... Voilà, donc on le suivra de très très près. Je pense aussi que il y a un autre joueur africain du côté de Golden State qui a signé, qui est un Congolais, qui a signé récemment, c'est un rookie. Lui aussi, il est très très attendu, mais est-ce qu'il aura suffisamment de temps de jeu? Le point d'interrogation est à ce niveau quand il y a des cadors. Vous les petits, vous cirez un peu le banc, on vous donne 2, 3, 4 minutes de temps de jeu à chaque match, histoire de vous aguerrir. De toutes les façons, Joel Embiid est beaucoup plus la star très attendue côté africain. On attend de voir ce qu'il va produire cette saison. On attend de voir, voilà. Là, on laisse tomber la balle orange pour s'intéresser maintenant à la vitesse et on commence par la Formule 1 et puis ce duel interminable entre Red Bull et puis Mercedes. Quand on parle de ce duel, c'est qu'on parle d'Hamilton et de Verstappen. La tension monte, tension monte à chaque grand rendez-vous de Formule 1. Ce sera la 17e manche de la saison. Quand vous écoutez les observateurs et surtout ceux qui sont les pilotes présents sur le paddock, beaucoup sont en train de pencher plus sur Max Verstappen,
qu'on sent beaucoup plus mûri, capable de déranger Hamilton jusqu'au bout. À l'heure où nous parlons, il n'y a que 6 points qui les séparent. Max Verstappen qui est devant Hamilton. Au niveau des constructeurs, c'est Hamilton qui est devant Max Verstappen. Vous sentez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'erreurs commises de la part d'Hamilton, synonyme qu'il sent beaucoup plus la pression et il n'arrive plus à se contrôler comme il se doit. Même si des fois il sort des punchlines, des phrases qui ne sont pas forcément dans leur contexte, vous sentez qu'il se sent menacé, dans le bon sens du terme, par un genou qui n'a envie de rien lâcher. Rappelons que durant toute l'année 2021, Hamilton n'a jamais été de tout repos. Max Verstappen a été toujours derrière lui, ses basques, lui mettant totalement la pression. Ça veut dire que le jeune également a de grosses envies de mettre, en tout cas, un tant soit peu, un terme à cette hégémonie d'Hamilton. De toutes les façons, le Grand Prix des Amériques, Hamilton l'a déjà gagné 5 fois. On pourra dire qu'il a l'expérience, mais attention, quand on voit la détermination, la rage, l'envie de Verstappen, je ne saurais dire que Hamilton va faire encore un tour ou des tours faciles, mais attention, il y a quand même les copilotes qui peuvent faire la différence. Je vais parler de Bottas côté Hamilton qui peut jouer un sale tour justement à Verstappen. Et puis de l'autre côté, il y a Perez également qui n'a pas dit son dernier mot. Ouais. Qui pourra aider son coéquipier qui n'est autre que Verstappen de prendre des secondes assez suffisantes sur Hamilton. Mais de toutes les façons, ce qui est clair et réel, c'est qu'il y a du suspense jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ça, c'est ça qui fait la beauté de toutes les disciplines sportives. Quand il y a du suspense, on sait toujours que ça peut aller jusqu'au bout, et de la vitesse encore avec le MotoGP. Émilie Romagne qui accueille la compétition ce week-end, et normalement Quartararo devait pouvoir être sacré, même si ce n'est pas ce week-end, il est tout proche de son premier titre de champion du monde. Il y a une phrase qui me fait souvent réfléchir et qui me fait plaisir à entendre, de dire « j'ai réalisé mon rêve ». Ça a été un rêve et je l'ai réalisé. J'ai l'impression que Quartararo, dans les semaines à venir, si ce n'est ce week-end, pourra prononcer ce rêve-là et dire que « enfin, je l'ai fait, j'ai réalisé cela ». Voilà, Marc Marquez l'a fait plusieurs fois, Valentino Rossi, n'en parlons même pas. Et donc, oui, c'est une nouvelle génération de moteurs, une nouvelle génération de pilotes également qui est en train d'arriver. Mais attention, ce qui me plaît chez Quartararo, dans les déclarations d'avant les essais libres, il a dit qu'il prendra ce week-end comme tous les autres. Donc, il ne se met pas autant de pression par rapport à cette course-là qui a lieu en Italie du côté d'Émilie-Romagne. Maintenant, l'un des adversaires de Quartararo sur cette piste-là, c'est Francesco Bagnaia. Il est chez lui, il est né à Turin et donc il a envie, par exemple, de pouvoir s'imposer à domicile, histoire d'avoir encore beaucoup plus de crédit auprès du public ou des tifosi qui aiment la MotoGP. N'oublions pas également que sur les essais libres, il y a Marc Marquez qui a fait un très beau temps et puis Johan Zarco également qui ne dit pas son dernier mot. Maintenant, on ne cessera jamais de le dire, si Quartararo ne finit pas premier de cette course-là, à défaut, je dis bien à défaut, être parmi les 3 premiers, sinon les 5 premiers. Ça lui permettra de grappiller encore des points et de pouvoir peut-être s'imposer pour les prochaines sorties. De toutes les façons, on est beaucoup plus proche du sacre de Quartararo que d'un autre. Le contraire m'aurait vraiment étonné. C'est à lui de saisir cette chance-là. Il va falloir un tsunami pour qu'il ne gagne pas le titre de champion cette année. Et parlons de cette légende, El Doctoré, qui va courir pour la dernière fois à la maison. Ah, vraiment, c'est... Ouais, c'est juste beaucoup d'émotions là-bas. C'est beaucoup d'émotions, parce que quand moi j'ai commencé à m'intéresser à la MotoGP, c'était son nom. Ouais. C'était Valentino son nom, Rossi. Valentino Rossi. D'abord, c'est quelqu'un de très sympa, très ouvert, polyglotte, très amusant. Mais à l'époque, dans les années 90-2000, c'était quelqu'un qui était très, très ambitieux. Et il a gagné plusieurs fois le championnat du monde. Et il y avait également l'Australien Jack Rogers qui n'était pas loin. C'était la rivalité entre les deux. Et je pense que, voilà, à 39, 40 ans, voire plus. Il a déjà 40 ans, si je ne m'abuse. Ouais. Je me dis que c'est une décision sage pour lui de laisser la place à des genoux qu'il qualifie
également de très performant. Quand on lui pose la question sur Quartararo, sur Bagnaia, sur Zarco et tous les autres, il est toujours très content de parler de lui. Vous sentez même la joie dans ses yeux quand il évoque justement la performance de ces jeunes-là. Valentino Rossi, c'est une légende, c'est un grand, c'est un peu comme Mickey Schumacher du côté de la Formule 1. Ouais. Je pense que oui, il a le droit de pouvoir raccrocher, même si je ne le vois pas laisser la moto tout de suite. Il peut-être. Va créer sa propre écurie. Exactement, hein. Et donc, soit il sera dans une autre catégorie de course, ou soit, pourquoi pas, participer à des Dakar, hein, comme on le voit avec notre pilote français, Stéphane Peter Hansel. De toutes les façons, Valentino Rossi, quoi qu'on dise, il a laissé une bonne marque dans l'histoire de la MotoGP. Cette fois champion du monde, ouais. C'est quand même une légende. Voilà, il mérite quand même une très belle retraite. On a fait le tour, Angelo ? Oui, je pense qu'on a fait le tour, Franck Nounyama. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Merci et à très bientôt. À très, très bientôt. Eh bien, on continue de mouiller le maillot. C'est jusqu'à midi, vous le savez. Merci, Angelo Folicoué. Merci, chers auditeurs. Vous continuez de nous suivre, de nous encourager. Et cette émission Samedi Sport sur la référence sportive se poursuit. C'est jusqu'à midi, sans faute. Et là, on va parler d'un sport qui a toujours ramené des médailles au Togo, mais un tout petit peu négligé, oublié même, on va dire. Et nous allons écouter le directeur technique de la Fédération togolaise de ping-pong, de tennis de table, Lawson Kaka, sur les conditions de travail. Lorsqu'on était à Abidjan pour les championnats d'Afrique jeunes, mais nos jeunes étaient vraiment impressionnés. Ils n'avaient jamais vu un hall de sport, une salle dans laquelle il y a 12 tables avec 1000 à 2000 spectateurs. Donc ils étaient vraiment, vraiment impressionnés. Même les premiers échanges qu'ils ont eu à faire sur la table, ils rataient toutes les balles. Parce que même le rebond de la table n'est pas pareil. La table leur semble plus rapide que les tables qu'on utilise ici. Il y a tous ces paramètres qui rentrent en jeu. Lorsque vous vous retrouvez, par exemple, avec l'Algérie, les conditions dans lesquelles ils jouent et nos conditions, ces conditions font qu'ils ont un léger avantage sur nous, sur le plan des appuis. Nous, quand nous arrivons en compétition, nous allons prendre quelques heures, quelques jours pour nous habituer. Alors qu'eux, ils sont déjà habitués à ces circonstances, à ces conditions de jeu. Lawson Kaka, à l'instant, j'ai l'habitude de rappeler cette performance, cet exploit inoubliable qu'il a réussi, qu'il a réalisé il y a, on va dire, pratiquement 50 ans. On le rappelle, il est le premier Africain à avoir battu un Chinois en Chine en tennis de table. Ça, c'est une performance inoubliable. C'est une performance, on va dire, historique. Voilà. Et encore lui, il revient toujours sur les difficultés de ce sport, le ping-pong. 8 ans ou une dizaine d'années, on avait invité les meilleurs joueurs nigériens à venir jouer au lycée de Topin, à une compétition open au lycée. Mais quand on leur a ouvert la salle d'abord pour les entraînements, ils n'en croyaient pas à leurs yeux. Mais c'est ici que vous vous entraînez. On a dit oui, c'est notre salle d'entraînement, c'est notre salle de compétition. Dodi avait battu un des meilleurs Nigériens en finale. Mais son excuse, c'est que la salle n'était pas bonne. Le sol est trop dur, il ne peut pas jouer. Dodi l'avait proprement battu, mais il a trouvé des excuses. Et bon, et ces excuses sont un peu fondées. On ne joue plus sur le ciment maintenant. On joue sur du Gerflex. C'est des sols appropriés. Quand on joue sur le dur, c'est le genou, la hanche est profondément sollicitée. Tous ceux qui étaient à Yaoundé, tous les quatre avaient déjà participé à des compétitions de ce niveau-là. Fanida était déjà au Congo pour un Open du Congo. Il était au championnat d'Afrique junior à Accra et en Côte d'Ivoire. Fanny Agbitoglou, Lawson Fessou, l'entraîneur aussi, n'était pas impressionné. Lawson Kaka, à l'instant, si quelqu'un quelque part écoute, on va dire, ces messieurs, il va falloir mettre les moyens. Pas de salle de sport au Togo. On continue de le dire, c'est le seul pays en Afrique de l'Ouest pour le moins, ne pas disposer de salles, de halls de sport. C'est difficile à imaginer, c'est difficile à supporter. Le Togo n'est pas le dernier des pauvres. Voilà, comme disent beaucoup d'observateurs, une salle de sport, un hall de sport, c'est important. C'est rien à dire, c'est une nécessité aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, on va écouter la nouvelle présidente de la Fédération togolaise de tir à l'arc, Sylvestre Alassi, reçu par Angelo Folicoué. C'est dans un entretien, écoutez. Alassi Sylvestre, vous êtes la nouvelle présidente de la Fédération togolaise de tir à l'arc. Comment on se sent après cette élection-là? On se sent bien. C'est un sentiment de devoir accompli.
parce qu'on se dit, enfin, nous sommes arrivés à avoir quelque chose et à fédérer des énergies autour de soi. Donc, on se sent très bien. Le chemin a été un long fleuve tranquille. Pour moi, pas tellement un long fleuve tranquille, mais je dirais que j'ai eu la part belle parce qu'aujourd'hui, je suis la présidente. Mon bureau, il y en a qui ont souffert pendant plus de 14 ans. Donc, je dirais que moi, j'ai eu la part belle comparée à eux. Vous vous sentez une femme bénie? Je suis toujours bénie. Non seulement je suis toujours bénie, je travaille pour arriver à ce que je veux. Alors, quand on parle de tir à l'arc, depuis quand ça existe au Togo? 10 ans, depuis 2006. Ça fait pratiquement, on pourra dire 15 ans. 15 ans. Et c'est une discipline qui est connue, selon vous, par les Togolais? Pas par les Togolais, parce que là, les gens me demandent. Ah, ça aussi, ça existe, c'est une discipline olympique? Je dis, mais oui. Par contre, je dirais que ça existe dans nos traditions. On peut citer les concombats, les mobas, même à l'école ou en classe de 4e. Je me rappelle qu'on nous racontait l'histoire des concombats qui étaient des très bons archers. Donc, mais le tir à l'arc, c'est une discipline plus codifiée. Quand vous dites codifiée, expliquez en français facile. Et c'est comme, on prend les Evalas par exemple, on dit il y a la fédération de lutte. Ce n'est pas forcément les Evalas, mais c'est la lutte en plus difficile. Plus travaillée, plus technique. Plus technique. Je dirais. Alors, continuons de parler toujours de tir à l'arc. C'est rare de voir quand même les femmes au Togo prendre des fédérations. Il y a quand même quelques-unes qu'on peut citer. Il y a Madame Kponjo qui est présidente de la fédération de Tchoukbol. Vous la connaissez? Il y a Madame Dogo Falilatou, récemment présidente de la fédé d'athlétisme. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous pensez que vous, les femmes, il est temps que vous preniez le pouvoir? Je ne dirais pas qu'il est temps que, nous, que c'est maintenant. C'est un travail de longue haleine déjà. Et aussi parce que quand on voit des aînés motivantes devant, on se dit mais pourquoi pas. On peut y arriver également et on se met à travailler, à suivre les pas, à demander des conseils, à évoluer. En plus, on peut dire que la politique du chef de l'État aujourd'hui aidant, on se dit mais tout est possible, on peut toujours mieux faire, on peut avancer. Vous vous sentez épaulée? Oui, je dirais que je me sens épaulée par tous ceux qui m'entourent. J'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai un bureau qui travaille avant les élections et même après. Donc, je dirais que je me sens épaulée. Ce n'est pas toujours facile, mais ah oui. Ça va. On vous sent réaliste. Hein. Ce n'est pas facile. Justement, parlons en amont ce qui a été fait jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vous soyez portée à la tête de cette fédération. Le travail qui a été fait en amont, c'était pour quels objectifs? Les objectifs, d'abord, sont multiples. D'abord, sortir ce sport, le tir à l'arc de sa léthargie pendant 14 ans. Là, elle est dans une léthargie énorme. Sortir le tir à l'arc là-dedans et également aider les athlètes parce qu'aujourd'hui, on sent que les athlètes sont beaucoup démobilisés à l'arc parce que c'est un sport de précision. Il faut de l'adresse, de la concentration pour y arriver. Et comme je le disais, c'est un objectif qu'on vise toujours. Il faut tirer sur une cible, mais il faut partir de quelque part. Il faut se dire qu'est-ce qu'on a. Il faut avoir un mental élevé avant d'y arriver. Du coup, je me dis... Mais oui, ce sont des objectifs qu'on peut atteindre et qu'on peut appliquer à notre vie de chaque jour, à notre vie quotidienne, dans toutes les disciplines. Donc, on peut y arriver avec le tir à l'arc et tout le monde peut le faire. Aujourd'hui, vous parlez des objectifs assez ambitieux. À court terme, qu'est-ce qui va être fait par votre bureau fédéral? Former, former et encore former. Et après les formations, les sensibilisations. Parce que si on peut sensibiliser, si on ne forme pas, on ne va pas avoir les personnes qui vont faire le travail en amont. Donc du coup, aujourd'hui, on doit former nous-mêmes notre staff, former les athlètes, former les entraîneurs qu'il faut, les entraîneurs de niveau 1 comme de niveau 2, former le monde. Et maintenant, on va essayer d'évoluer au niveau, on préfère aller à la base. Vous avez parlé tout à l'heure d'athlètes qui, visiblement, sont démobilisés. Sont-ils nombreux autant au Togo qui les archers qui aiment justement cette discipline sportive? Par le passé, ils sont nombreux. Ils ont même gagné des médailles. Pour le Togo? Oui. Au Bénin, au Sénégal. En 2010, il y a eu plein de médailles gagnées. En 2012, pareil. Mais avec ces petits antagonismes, les gars se sont retrouvés vraiment. Aujourd'hui, beaucoup se sont désolidarisés. Mais on a un discours, non seulement un discours, mais des actions concrètes pour les ramener et les faire fédérer.
Vous avez parlé tout à l'heure de cette longue léthargie dans cette discipline sportive, sûrement due à des mésententes entre personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à convaincre les uns et les autres d'être ralliés à votre cause? Vous avez d'autres qui sont de l'autre camp qui sont avec vous aujourd'hui? Je dirais que c'est comme l'eau et l'huile parfois. On peut tout faire, mais qu'on n'arriverait pas à mettre ensemble. Il faut des fois se dire, pof, on veut quoi? On avance. Mais aujourd'hui, nous dirons que nous sommes ouverts. Pour tous ceux qui veulent le positif pour le tir à l'arc, le bureau actuel est ouvert à toute discussion et à avancer. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Ce n'est pas un discours? Non, pas qu'un discours. D'accord. Alors, le tir à l'arc, on le disait tout tantôt, vous avez parlé de projets, de vos visions à court terme. Alors, dites-nous aujourd'hui, on sait très bien que c'est une discipline qui se pratique à la fois à l'extérieur, tout comme en salle. Côté togolais, quelle sera la particularité de cette pratique-là? Oui, ça vous fait sourire. Je dirais que nous sommes beaucoup plus actuellement côté extérieur, parce que pour faire à l'intérieur, il faut beaucoup plus d'équipement. Qu'on n'en a pas. Et on ne va pas être prétentieux pour dire que oui, nous ferons à l'intérieur, mais non. On ira beaucoup plus à l'extérieur, parce qu'il y a plusieurs tirs à l'arc. On a plusieurs disciplines dans le tir à l'arc, donc on préfère beaucoup plus aller à l'extérieur, évoluer. Et maintenant, faire comprendre aux gens que le tir à l'arc, c'est beaucoup de disciplines dans la fédération et que beaucoup peuvent aller sur tel ou tel. Du coup, ça permet déjà d'amener les gens de notre côté avant de penser à aller en salle. Mais on comptera toujours sur vous, sur tout ce qui peut nous aider à plus vite avancer. Pourquoi pas? Notre rôle en tant que média, c'est d'aider toutes les disciplines sportives, hein, notamment les sports de main. Voilà pourquoi il y a Handsport pour vous accueillir et vous offrir ce plateau. Alors, j'ai envie de vous poser cette question, Sylvestre Alassi, c'est de savoir, Paris 2024, c'est dans 3 ans, pour ne pas dire moins. Vous y pensez ou bien, voilà, on va rester réaliste, ce n'est pas encore l'objectif le plus intéressant, le plus pressant. Ce qui me caractérise, c'est beaucoup plus l'ambition. Je suis ambitieuse et je mets de la rigueur pour y arriver. Je me dis, on a 3 ans. C'est long, mais c'est très peu. Nous avons déjà des athlètes sur qui on peut compter aujourd'hui. Qui sont prêts. Vous êtes sûr? Et c'est pour ça que nous allons commencer par aller sur des compétitions pour nous mesurer et pour solliciter. Je profite pour donner la primauté. Je suis déjà invitée avec mon staff pour le Grand Prix en Côte d'Ivoire. Et c'est quand? C'est en décembre. C'est juste pour le travail administratif ou c'est une compétition? C'est une compétition. Ah, d'accord. Et ça va se dérouler comment? Vous avez une idée sur... voilà. Les 4 et 5, là, depuis hier, je suis en pourparler avec eux. J'aurai plus d'éléments d'ici là. D'accord. Alors, avant de vous laisser partir, avant justement même votre mot de conclusion, vous êtes une femme, vous représentez la gente féminine. Quand on parle de tir à l'arc, c'est à la fois masculin et féminin. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les femmes dans ce sport? C'est pour dire qu'il n'y a pas que sport pour hommes, il n'y a pas que sport pour femmes. La preuve, ceux qui étaient là le week-end, ils ont vu par exemple les 2 archers qui étaient là, il y avait une femme, il y avait un homme. Donc ça représente beaucoup plus une victoire pour dire, ouais, nous pouvons y arriver. On ne va pas rester dans les discours de égalité des hommes, égalité, égalité, mais non. Mais vous donnez plus de chance aux femmes. Plus de chance aux femmes. Il faut encourager les femmes à faire du sport. D'abord pour notre propre santé et également pour gagner des prix. Ah, parce que si vous ne le faites pas, les femmes vont sortir et voilà, marcher contre vous. Hein. Exactement. Ah, quand voilà. Je prends l'exemple de la Coréenne, Han San, qui a eu des médailles aux Jeux Olympiques, je me dis, mais tenez, c'est beau quoi. Exactement. C'est très beau. Et pourquoi pas un jour avoir des championnes togolaises aussi? Mais c'est l'objectif. Merci beaucoup. Votre mot de conclusion? Je remercie tous ceux qui nous ont soutenus, tous ceux pour qui et ceux grâce à qui ces élections ont eu lieu, tous ceux qui ont dit, mais il est temps que le sport ne soit plus hypothéqué. Toutes ces personnes-là qui nous ont fédérés, qui ont un discours novateur, toutes ces personnes qui nous ont inspirés, on les dit merci. Je dis merci à tout mon bureau, grâce à leur énergie aussi, et le fait de dire qu'on veut mieux pour ce sport, on ne serait pas arrivé. Donc, on dit merci à tout le monde. Et nous sommes ouverts à toute proposition. Nous sollicitons toutes les bonnes volontés qui voudraient bien nous aider à évoluer et à parvenir à des objectifs plus concrets. Nous sommes ouverts, nous sommes là.
Et on dit merci à tous. Merci d'être passé. Merci à vous. On se dit à très bientôt. À très très bientôt. Merci beaucoup. Et voilà donc l'entretien entre Sylvestre Alassi, la nouvelle présidente de la Fédération Togolaise de Tir à l'Arc. Elle a été élue il y a juste une semaine. Vous connaissez le tir à l'arc. Quand vous faites un coup, on a mis la flèche. Avec un mille ta flèche, mille ya au guerre, pour toi, hein. Mais de la Bérou, nous godons, mille avec mille visées, mille DJ, ya des. C'est ça, le tir à l'arc. Et on. Voilà, beaucoup de courage à cette dame. Elle est jeune, elle est ambitieuse, elle a envie peut-être de faire bouger les choses, de changer les choses. On lui souhaite beaucoup de courage. Voilà pourquoi d'ailleurs Samedi Sport est là. Et au moment de cette élection, le représentant du Comité National Olympique Togolais, qui n'est autre que Victor Lamega, s'est également prononcé. Je vous propose de l'écouter. C'était la seule manière de régler la crise qui perdurait au sein de la Fédération Togolaise de tir à l'arc depuis près de 14 ans, avec des querelles entre les membres. Donc il fallait aller aux élections pour mettre en place un nouvel exécutif. Ça a été vraiment un parcours difficile depuis 2019 que le processus a été enclenché avec les deux parties en conflit. Le comité a constaté que les valeurs de l'olympisme sont bafouées au sein de cette fédération. C'est pourquoi le Comité national olympique n'a pas hésité quand nous avons été associés dans le règlement de la crise de cette fédération. Et donc nous avons essayé de faire des propositions en commun accord avec le ministère en charge des sports où un comité ad hoc a été mis en place composé de représentants des deux factions opposées de la fédération, d'un représentant du ministère des sports et d'un représentant du Comité national olympique du Togo. Et aujourd'hui, nous sommes au bout du tunnel avec la mise en place d'un nouvel exécutif, l'adoption de nouveaux tests des statuts règlement intérieur. Je pense qu'avec cette élection, le tir à l'arc va reprendre une nouvelle vie et travailler dans le respect des valeurs de l'olympisme. Victor Lamega, directeur sportif du Comité national olympique togolais, il a également parlé dans le sens de l'absence du bureau sortant. Je pense que le bureau sortant a compris que les enjeux autour de cette élection, il n'y avait pas match. Donc le bureau sortant a préféré la politique de la chaise vide. Mais on ne peut pas rester sur leur stratégie. Il faut avancer. Il faut que le tir à l'arc reprenne. Il y a des athlètes qui en pâtissent. Vous savez que souvent on le dit, quand deux éléphants se battent, c'est les herbes qui souffrent. Donc ici, c'est les athlètes qui souffrent. Donc ce n'est pas bien. Or, si nous sommes élus à la tête d'une fédération, ça cause des athlètes. Donc nous ne pouvons pas laisser les athlètes en pâtir et c'est le rôle du Comité national olympique de défendre les valeurs de l'olympisme, de défendre les athlètes et c'est pour cette raison que nous avons accepté participer dans le règlement de cette crise et la mise en place d'un nouvel exécutif par les élections. Le bureau sortant avait préféré dans les discussions qu'il y ait un consensus au niveau du bureau exécutif. Or, selon les statuts, il faut aller aux élections pour mettre en place un bureau exécutif. On ne peut pas s'arrêter et dire qu'on veut faire consensus. Même consensus entre les deux factions, ça ne passe pas. Et il faut appliquer les tests. Donc, il fallait aller aux élections, il fallait organiser l'AG pour pouvoir aller aux élections. C'est ce qui a été fait. Victor Lamega, directeur sportif du Comité national olympique togolais, à l'instant. Voilà, c'est fait. Il faut donner du travail, il faut donner de la compétition aux archers. La Fédération togolaise de tir à l'arc avec sa nouvelle présidente Sylvestre Alassi. Elle a du boulot à faire. Voilà, on l'a dit, il y a eu beaucoup de problèmes autour de cette fédération et depuis rien ne bouge. On va les bios intermédiaires, on a tir à l'arc, les Togolais. Voilà. Voilà également l'importance d'une salle de sport, d'un hall de sport, parce que souvent on le fait en salle. Mais la nouvelle présidente a soutenu cet argument selon lequel on peut le faire dehors également. Voilà. Elle a cherché une échappatoire avec Angelo Folico, on l'a compris. Mais la salle de sport est vraiment importante. Et on va saluer cette brillante victoire des Éperviers Dames en terre sao-toméenne. 5-0 avec un triplé, s'il vous plaît, de Odette Nitegmon. Et voilà, avant le match retour, le 26 à Lomé, ben on va conclure le travail, on va conclure le boulot.
Pourquoi pas en mettre 5 encore ou 10, pourquoi pas. Alors, il faut se faire plaisir en attendant de voir si c'est le Gabon ou le Congo à jouer au tour suivant. Mais on garde un très mauvais souvenir par rapport aux Congolaises qui nous ont infligé une correction à l'époque des Tom et Tikaï 9-0-6-0. Ben, il faut prier que ce soit le Gabon. Voilà, merci de faire le choix de Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Et c'est samedi sport qui se poursuit, c'est jusqu'à midi, vous le savez. Donati Sow, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous. Tout va bien? Ça se passe bien, bien. Mohamed Touré, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour la table et puis à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Ico Rodrigue, merci d'être en studio. Franck, merci et merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Nous avons également en studio le directeur des compétitions nationales et internationales de la Fédération Togolaise de Football, Pafio Dobou, bonjour. Oui, bonjour Franck, bonjour tout le monde. Tout va bien? Oui, ça va. Supporter du Real Madrid? Super. Bah, demain, dans ce classico, comment ça se c'est présente? Quel que soit le cas, c'est Real qui passe. C'est le Real? Ouais. Ah, je vois Mohamed qui n'est pas d'accord, oui. Mohamed. Tant pis pour malgré lui. Malgré que Barcelone n'est pas en forme, cette fois, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Vous êtes Barça. Oui, oui. Ah, un duel qui s'annonce déjà intéressant. Voilà, et les éperviers dames qui ont fait plaisir au public sportif, c'était hier en terre sao-toméenne dans la manche allée de cette double confrontation contre les jaunes et verts de Sao Tomé. 5-0 à l'arrivée avec un triplé de Odette Nitegman, un but de Mafi Wedikou et puis voilà, de Konou Berti qui font la différence. Donati Sow, c'était attendu. On se disait oui, normalement ça devrait passer et ça a réussi. Oui, effectivement. Dans ce même studio, on parlait de l'inconnu Sao Tomé. Parce que ce soit dans le football masculin, féminin, ce pays n'a pas fait ou n'a jamais fait grand-chose. Hier, quand on voit le 11 de départ, quand on voit l'effectif du Togo, normalement ça devrait passer. Et sur le terrain, on a vu la supériorité des filles de Tom et Tikaï sur les Sao Toméennes. Quand on a des expatriés à l'instar de Wadikou Mafi, Odette Nitegman, Ndiambara, Miratou et les autres, oui, moi oui. Je pense véritablement que l'expérience a fait la différence à ce niveau. Maintenant, avant la rencontre, il y avait ce doute-là parce que ça fait un moment que le regroupement n'a plus été fait ici. Mais en si peu de temps, surtout après le premier regroupement qui a été fait et après le retour des professionnels, je pense que Tom et Tikaï a fait un très bon boulot. Mais comme il a dit, elle est exigeante et après le match, il faut véritablement continuer à travailler et finir le job à domicile le 26 prochain pour véritablement se qualifier pour le tour prochain. Maintenant, je pense que c'est une bonne nouvelle. On peine du côté des masculins à faire des résultats. Ça arrive peu à peu ce côté-là. Maintenant, ce sont les filles qui nous donnent la joie au cœur et vivement que ça continue. Que vivement que ça continue. Mohamed Touré, oui, on est content au moins par rapport à ça? Oui, on ne peut qu'être content. Vous savez, plusieurs fois, nous avons tiré la sonnette d'alarme sur le football togolais. Le football féminin au Togo, mais elles viennent de nous prouver que si vraiment les autorités mettent les moyens et qu'ils s'intéressent à elles, elles peuvent faire quelque chose. Même s'il s'agit de Sao Tomé Principe. En fait, personne ne connaissait pas Sao Tomé Principe. Mais aujourd'hui, personne ne peut pas négliger aussi la valeur du Togo sur ce plan. Mais mon souhait, c'est d'être concentré sur la suite. Moi, sur le plat ou celui, c'est qu'on puisse croiser un adversaire à notre poteau au second tour. Et aller à la CAN, c'est là-bas, nous allons mesurer vraiment la valeur du Togo. Si je revois par le passé, comment les filles jouaient au temps du colonel Rock, Franck, c'est tellement présent. Très bien. Voilà, félicitations encore une fois aux dames. On va ouvrir des parenthèses et les fermer après. Le temps pour nous d'aller, dans le nord ou bien à Sokodé pour être plus précis, pour y retrouver Guler Inoussa qui a des informations là-bas, notamment la formation des entraîneurs des Golakara. Guler Inoussa, bonjour. Bonjour Franck Lounyama, bonjour aux fidèles auditeurs de Sport FM. Tout ce qu'on essaye, Franck, vous savez, je suivais l'émission, mais problème de connexion. Quelqu'un parle du temps tout à l'heure, là. À qui ai-je l'honneur? Et il parle de... Je crois qu'il parle de tasse. J'ai entendu le mot tasse tout à l'heure. Le mot tasse, non.
Oui, mais je crois que l'élément qui vient à peine de passer, je crois que c'est l'honorable député Gabriel Améhi. Non, il n'a pas, on ne l'a pas passé. Hein. Bah, vous êtes trompé. Ok, alors là, merci. Bah, je crois qu'il devait avoir une situation comme ça. J'allais dire que... Ou bien vous nous informez, que Maranatha est OTAS. Non, mais pour le moment, on n'est pas encore à l'étape là, Franck Mounyama. Okay. Mais attention, quelque chose se prépare derrière Franck Mounyama. Bon, allons-y. Allons-y à l'essentiel. Durant 5 jours, les entraîneurs des Gaules et les Gaules eux-mêmes ont suivi une formation avec M. Philippe Moreira, l'entraîneur des Gaules des Éperviers du Togo, sous la supervision du sélectionneur national Paulo Duarte, assisté de Narcisse la joueuse numéro 1 et de Jonas Kokou Kamara, sans oublier aussi Abouna Ba, l'intendant de la Fédération Togolaise de football. Les entraîneurs sont repartis très satisfaits. Durant les 5 jours, plusieurs modules ont été développés. Paulo Duarte disait, je suis une bonne équipe de football. Commence par un bon gardien de but. Le travail n'est pas seulement physique au niveau des entraîneurs de Gaules. Il doit être aussi mental et psychologique. Les 7 formations ont répondu sur les 8. Tara Football Club de Babilo est en préparation pour le championnat national de football de première division. Selon les informations que nous avons, ce club cher à tout un peuple de Babilo va sur la deuxième phase qui aura lieu la semaine prochaine, c'est-à-dire dans la zone sud, c'est-à-dire du côté de Lomé. Les regrets, Franck Nouyama, pour cette formation, tenez-vous bien, parce qu'on n'a pas constaté la présence de la direction technique nationale. La direction technique nationale n'était pas présente à cette formation. La faute et à qui, ça, vraiment, je crois que les formateurs eux-mêmes ont constaté cela. On n'a pas vu la direction technique nationale aux côtés du sélectionneur national, bref, aux côtés du staff technique pour quand même essayer de pouvoir outiller. Bref, ils ont outillé à 99,99% ces entraîneurs de Gaules et ces Gaules titulaires des différentes équipes du Nord Togo. Deuxième constat, deuxième regret, une telle formation ne peut pas avoir lieu sans attestation. Parce qu'on n'a plus la chance de pouvoir suivre une telle formation, même si un entraîneur a la chance, peut-être la saison prochaine, de suivre une telle formation, et justement qu'il retourne dans son club respectif, et quand il va démarrer après une, deux ou trois journées, si les défaites, si les victoires ne suivent pas, ils peuvent être limogés. Si aujourd'hui il retrouve un club Y, il dira seulement dans la bouche, j'ai suivi une formation de 5 jours à Cara, on dira où est papier. La faute est à qui? On n'est pas contre, mais l'administration de la Fédération Togolaise de football doit revoir ce dossier-là. Ce n'est pas encore tard. Et pourquoi la direction technique nationale n'a pas accompli le Paulo Duarte? J'ai assisté pendant 3 jours à cette formation-là. Un travail extraordinaire. Extraordinaire. Comment relancer une balle pour jouer sur des comptes? C'est là qu'il nous a dit qu'il faut qu'un entraîneur, il faut aussi qu'un gardien de but par moment aussi joue comme les autres, parce qu'aujourd'hui, il est comme le contrôleur de la base arrière. C'est lui seul qui voit ce qui arrive. C'est lui seul qui voit ce qui doit repartir. Il faudrait que la Fédération Togolaise de football puisse quand même voir. On peut faire une attestation avec cachet de la direction technique nationale, mais c'est organisé par la Fédération Togolaise de football. On ne peut pas organiser ce que j'ai vu à Cara sans attestation. Franck, Nouyama, sur ce, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut revoir beaucoup de choses sur ce point-là. Franck Nouyama, les formateurs eux-mêmes n'ont rien compris pourquoi la direction technique nationale n'avait pas répondu à la formation qui a eu lieu à Cara. Maintenant qu'une partie remise, ça peut se faire, on peut faire peut-être des attestations et après les remettre au récipiendaire pour la bonne marche du football togolais, Franck Nouyama. Oui, on parle aussi des matchs amicaux, les clubs s'apprêtent pour la prochaine saison. Hein. Ça démarre le 28 novembre. Ah oui, mais vous savez, ils sont 8 dans la zone nord. Sarah s'active du côté de Lomé. Le week-end dernier, conducteur et les guerriers se sont retrouvés à Cara. Score final, 1-0. Une histoire de secours a eu raison. Une sélection venue de Cara sur la marque de 2-0. Là même, hein, Paulo Duarte avait suivi pratiquement 75 minutes de ce match. Il est à la recherche. Il m'a dit haut et fort, nous sommes à la recherche d'un latéral gauche. Le Togo n'a plus eu de latéral gauche depuis le départ d'un certain Senaya et consort. Il faudrait qu'on trouve quelqu'un qui est vraiment un latéral gauche digne de ce nom pour renforcer l'équipe nationale togolaise. Et à part ce match demain, l'ASCO Football Club de Cara va jouer l'entente de Football Club de le
ce n'est qu'un au revoir, pas un retour. Tout cela, on nous aura plus de précision qu'avec l'honorable président Meyepine et Sobe Nyasinghe. Mais je vais vous dire une chose, Franck Nounyama, entre les supporters de Jaune et Noir et Ametokoro Mensanking, le torchon brûle, on ne va pas tout développer pour les auditeurs. Wait and see. Je crois que le président de la Côte des Caras, un fin stratège du football, il aime la chose, il va savoir comment faire pour calmer cette eau trouble-là, pour que cette eau soit quand même buvable. Mais entre le président, entre Ametokoro et les supporters, sans vous mentir, le torchon brûle, nous ne devons pas arriver là parce qu'il a fait du beau boulot. Même s'il faudrait quand même qu'il quitte Asco de Cara, qu'il ne saute pas la grande fois, parce que deux titres de champion, ce n'est pas chose aisée. Il faut que le président, nous allons demander au président de essayer de voir de gauche à droite pour que la balle soit une balle à terre et jouable, parce que le président est en train de faire un travail extraordinaire à la tête de l'Asco Football Club de Cara. Merci. Sinon, le tissu est presque déchiré entre Ametokoro et la supporter de Jaune et Noir. Merci, Guélère. À très, très, très bientôt. Excellent week-end. Voilà, on se retrouve. Et c'est pas évident. Hein. On verra bien. Personne ne comprend la raison pour laquelle Ametokoro Mensah est un peu écarté, éloigné de cette équipe. Il l'a dit, deux titres de champion, deux années d'affilée, ce n'est pas évident. Mais bon, c'est le propriétaire ou bien le président du club d'Asco qui décide de ce qu'il va faire. On parlait des éperviers d'âme qui ont gagné brillamment en terre Sao Toméenne. Oui, quelle analyse, vous, à votre niveau, faites-vous par rapport à cette victoire? Franck, une victoire reste toujours une victoire. Et encore plus alléchante. Une victoire alléchante 5-0, même si aujourd'hui beaucoup disent que Sao Tomé Principe, ce n'est pas le Togo et que le Togo est au-dessus de Sao Tomé Principe. Nous sommes en football et que 1 plus 1 ne font pas forcément 2. Bravo à nos filles. Et Mohamed disait quelque chose tout à l'heure, qu'on a aujourd'hui compris que quand on fait confiance à ces filles, à nos sœurs, elles peuvent faire quelque chose. Vous avez vu tout ce qui a entouré cette préparation. D'abord, ça a commencé par le championnat, la détection, le regroupement. Et puis l'apport également de nos jeunes sœurs qui sont à l'extérieur, notamment Oudikou Mafi et puis celle qui a marqué les 3 buts. Donc ça veut dire que le travail a commencé. Et c'est le fruit de ce travail-là qui a donné cette victoire 5-0. L'essentiel maintenant, c'est de continuer sur cette lancée et de continuer le travail, de faire intéresser le football à nos sœurs, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui hésitent, il y a beaucoup également de filles qui hésitent à aller vers le football. Tout cela par faute de motivation. Je crois que ces victoires vont amener cette motivation pour que nous puissions aujourd'hui également nous compter parmi les nations du football féminin sur le continent africain. Pourquoi pas? Et ce message de félicitations de Madame le ministre des Sports et des Loisirs. Voilà, les éperviers d'âme ont surclassé avec panache leur homologue Sao Toméenne ce vendredi 22 octobre 2021 sur la marque sans appel de 5-0 lors du match des éliminatoires de la CAN Maroc 2022. Cette performance de haute volée est la résultante d'un travail de qualité effectué par le staff technique sous la houlette de Kaito Meti et sous le leadership de la Fédération Togolaise de Football. Nous nous réjouissons de ce pas important dans le processus de qualification pour la prochaine CAN des Dames. Tout en saluant cette performance, nous devons redoubler d'ardeur afin de réaliser une manche retour tout aussi convaincante et prolixe. J'invite le public à se mobiliser pour soutenir les éperviers d'âmes lors de la rencontre retour dans quelques jours, prévue dans quelques jours. Allomé, c'est ce message de félicitations de Madame le ministre des Sports et des Loisirs, Lydie Bessikama Pafiodobou, à la Fédération. On est sûrement content de cette performance. Hein. Oui, mais nul n'a jamais craché sur une victoire. Mmh. Je crois que cette victoire des dames montre qu'il y a un travail qui a commencé et qui va continuer au niveau de la Fédération de football. Même si nous entendons toutes les critiques autour de la gestion des filles, la Fédération n'a pas négligé les filles.
Mais sachez aussi que la gestion du football féminin est différente de la gestion du football masculin dans le cadre du Togo, principalement, où les parents ne lâchent pas facilement les filles. Et ces filles sont encore des filles scolarisées. Et quand il faut organiser les compétitions à l'endroit de ces filles, il faudra compter et prendre en compte tous les paramètres pour que les filles, au niveau de leur école, ne soient pas déconnectées et au niveau du sport, puissent faire des progrès. Je lance encore, je dis félicitations à ces filles et à l'encadrement technique. C'est le début d'un travail. Soyons patients. D'ici 2-3 ans, nous mettrons le football féminin sur de bons rails. Ce qui veut dire qu'à la Fédération Togolaise de football, on sait où on met les pieds quand il s'agit du football féminin. Bien sûr. Bien sûr. Et le match retour a lieu dans quelques jours seulement. Hein. C'est après, c'est le mardi. Oui, le 26. Oui, le mardi déjà, le retour a lieu. Nous avons déjà au niveau de l'administration commencé ce que nous faisons chaque fois qu'il y a un match international. Vous êtes le directeur des compétitions nationales et internationales. L'objectif principal, c'est de voir le Togo à la prochaine CAN. Oui, c'est ça l'objectif. Être présent à la prochaine CAN, Maroc 2022. On va écouter Tometi Kayi, qui est le sélectionneur des Éperviers d'âme, juste après cette brillante victoire sur Sao Tomé et Principe. En partie, nous avons gagné par 5-0. Oui, on voulait la victoire, les 3 points sont acquis, c'est bien. Mais je dirais que mes joueuses ont fait un match assez bien et qu'on doit encore travailler pour pouvoir faire un match plus attrayant que ça à Lomé. On doit encore travailler pour pouvoir avoir un match plus attrayant à Lomé, ça veut dire que... Tometi Kayi n'est pas totalement satisfaite de cette prestation. C'est ce qu'on peut retenir puisqu'elle a parlé au début de la réaction. Elle a dit en partie, nous sommes satisfaits. Quand on analyse ce qu'elle a dit, cela veut dire qu'il y a encore des choses à parfaire avant le match retour. Dans le football, même si on gagne par 10-0, peut-être que dans le contenu, les joueuses n'ont pas véritablement appliqué ce qu'elles ont fait lors des séances d'entraînement. Donc, il faut véritablement gagner, mais il faut séduire également dans le jeu. Maintenant, quand on est à domicile et quand on gagne à l'extérieur par 5-0, à domicile, il faut véritablement mettre le paquet. Il faut assurer le show, il faut assurer le spectacle sur le terrain pour ceux qui seront sur le terrain, parce que le match sera vraisemblablement à huis clos, mais ceux qui seront sur le terrain doivent voir du spectacle venant de ces filles-là. Et maintenant, d'ici là, il y a encore quelques jours pour faire certains réglages et permettre aux filles de véritablement asseoir un collectif, un jeu assez collectif pour atomiser encore une fois cette équipe saoutoméenne. Mohamed, le match retour a lieu dans quelques jours seulement. Hein. Oui, elle attendra, ça dépend de peut-être le système qu'elle a voulu mettre en jeu. Donc le fond de jeu, peut-être elle n'est pas totalement satisfaite du fond de jeu. Donc c'est pourquoi elle est en train de dire ça. Et je pense que prochainement, elle veut voir une équipe joueuse et non pas comme... John vient de le dire, vous pouvez gagner 10-0 sans but, mais quand il n'y a pas un fond de jeu, la suite n'est pas prometteuse. C'est de quoi elle fait allusion. Très bien. Ico Rodrigue, on peut dire que la seule fausse note, c'est ce carton rouge de ma fille Widikou, qui est quand même un peu l'attaquante phare des Éperviers. Elle va rater le match suivant. Et, Fautes commises, deux cartons jaunes. Ouais. Widikou a laissé ses partenaires avant la fin du match et sera automatiquement sanctionné pour le match retour. C'est vrai, c'est une fausse note puisque, vous savez, dans le football, c'est vrai, il y a la victoire, mais il y a également la discipline. Ça a manqué un peu de discipline. Je crois que l'entraîneur, Mme Kayi, fait un peu allusion à ça aussi, en disant qu'il y a beaucoup de choses à parfaire. Beaucoup de choses à parfaire dans le plan comportement, la discipline du jeu, beaucoup de choses à parfaire. Dans le plan comportement, animation de jeu, beaucoup de choses à parfaire. Dans le plan également social, hein, autour de ces filles-là. Et je pense que c'est du travail. Il faut féliciter cette victoire, mais c'est également, il faut relever ces fausses notes-là. Et je pense que c'est dans ce sens que et le staff technique et les dirigeants doivent travailler autour de ces filles-là. L'essentiel pour nous, c'est d'asseoir d'abord une très bonne équipe féminine de football pour que nous puissions, dans les échéances à venir, aborder les autres nations. Aujourd'hui, quand on parle du Nigeria, quand on parle du Cameroun, on parle d'autres nations. Sur le plan football féminin,
ces nations-là sont en place. Maintenant, il faudrait que nous également, on aille titiller ces nations-là. Et je pense que c'est un pas, c'est la base. Mais le travail doit continuer. Vous savez, en football, quand vous dites que les Cristiano Ronaldo, les Messi ne continuent pas à s'entraîner, ça veut dire que le travail ne s'arrête jamais. Mmh. Il faut continuer par travailler. Il faut continuer par travailler. Voilà. Pafio Dobibou, pour ce match retour, les gens, le public ne sera pas là. C'est oui, toujours donc, le statu quo. Le huis clos. Mmh. Le huis clos pour le moment. Et les gens se demandent souvent comment supporter les éperviers d'âme aussi. On a envie de les voir de près. Est-ce qu'on ne peut pas permettre à ceux qui ont été vaccinés, sur présentation de leur carte, de pouvoir accéder? Mais ça, c'est, ça ne dépend pas de la Fédération de football. Mmh. Ça, c'est le comité de riposte et puis le ministère qui peuvent... aller dans ce sens, donner les instructions au niveau de la fédération. Est-ce que vous leur avez fait peut-être la proposition? Peut-être. Oui, je sais qu'au niveau de l'administration, il y a un contact entre les trois structures. Pour ce match de mardi, je ne suis pas sûr, mais peut-être avec les autres matchs à venir. Et puis le problème de Kegui n'est pas seulement que... le problème de Covid. Bien sûr. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de siège à Kegui. Le stade doit être refait. La FIFA considère qu'il n'y a pas de place assise, il ne doit pas avoir de spectateurs. Mm-hmm. Donc voilà aussi, il y a le problème là que nous avons au niveau de Kegui. Et heureusement que depuis cette semaine, les sièges ont commencé à être posés. Mm-hmm. Et que peut-être d'ici le mois de janvier, tout sera mis et que nous aurons aussi cette possibilité d'accueillir des spectateurs sur le terrain. Est-ce à dire que la dernière réfection n'a pas été bien faite? On a négligé ce côté-là? Je ne sais pas ce qu'il y avait dans le contrat, mais ça a été renouvelé en l'état et les exigences de la FIFA étaient arrivées et puis il faut reprendre. Mmh. Donc heureusement que nous allons remercier le chef de l'État qui a donné les instructions et que les travaux ont débuté. Très bien. On va féliciter encore une fois les éperviers d'âme. Elles sont en route pour Lomé. Elles ont pris l'avion hier nuit pour le Ghana et elles vont rentrer si ce n'est même fait. Voilà. Donc, félicitations encore à ces filles-là. Elles n'auront pas de repos puisque le match suivant, c'est juste mardi, le 26, pour la manche retour à Lomé. Ben, 10 buts à zéro, pourquoi pas, pour... renvoyer cette équipe Sao Toméenne à la maison. Et puis au tour suivant, ce sera soit le Congo, soit le Gabon. Beaucoup disent que la préférence serait pour le Gabon parce qu'on n'a pas un bon souvenir du Congo. Merci et félicitations encore une fois aux éperviers d'âme pour cette brillante victoire en terre Sao Toméenne. 5-0, la manche retour, on vous l'a dit, c'est juste mardi 26 octobre à Lomé, à Kégué. C'est sûr que ça va passer pour les dames togolaises, sauf Tsunami, hein, pour voir l'équipe togolaise éliminée. Mais ça va forcément passer. Et on parle de l'ouverture de la saison. C'est le 28 novembre prochain que la compétition va réellement commencer. En attendant, l'ouverture de la saison a été prononcée le 18 octobre dernier. Pafio Dobou, rebonjour. Oui, bonjour Franck. Lorsqu'on parle d'une ouverture, d'une nouvelle saison, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Lorsque nous parlons d'ouverture d'une nouvelle saison, il faut comprendre qu'à partir de ce jour, les formalités administratives sont autorisées. Mmh. Et c'est à partir de cette date qu'on fait le décompte pour voir quel moment on doit jouer la première journée. Et c'est ça qui a conduit à la sortie du chronogramme qui donne le début de toute activité, la fin de chaque activité. Mmh. Voilà. Quand vous parlez d'organisation administrative, des démarches administratives à respecter, qu'est-ce que vous mettez concrètement dans tout oui, ça? Oui, là déjà, nous parlons des engagements des clubs. Parce que les clubs doivent s'engager. Ce n'est pas automatique parce qu'il y a un club qui est en D1, automatiquement, le championnat, si le club peut dire « je ne joue pas ». Donc, il faut que chaque club s'engage pour les compétitions de la saison, pour que nous puissions établir les calendriers des compétitions. Donc d'abord, il y a les engagements des clubs.
Ensuite, il y a les enregistrements des joueurs. Avant, c'était les enregistrements sur papier. Actuellement, avec le système FIFA Connect, sinon c'est FTF Togo Connect, tous les joueurs, tous les dirigeants doivent se faire enregistrer. Et à partir de là, nous établissons les licences. Donc, à partir du 18, là, il est autorisé au club de commencer par enregistrer les joueurs et après demander les licences. Voilà. Donc, l'engagement est différent de l'enregistrement. Oui. Pour l'engagement, le club vient dire « Oui, je m'engage à jouer ce championnat. » Il y a un formulaire qu'il faut remplir. Et sur ce formulaire, nous avons en même temps les déclarations de couleurs pour les couleurs à domicile, les deux couleurs à l'extérieur. Et vous venez payer les frais d'engagement. C'est combien ? Pour la D1, c'est 100 000. Pour la D2 masculin, c'est 50 000. La D3 masculin, c'est 25 000. La D1 féminin, 50 000. Très bien. L'enregistrement, les clubs peuvent enregistrer jusqu'à quel nombre de joueurs sur une saison ou bien c'est illimité ? L'enregistrement est illimité, mais c'est le nombre de licences qui est limité. Mm-hmm. Avant, nous étions à 30 pour les licences par club, mais avec Covid, il peut arriver que 10, 15, 20 joueurs soient testés positifs. Donc nous avons ouvert à partir de la saison passée à 40 joueurs par club. Ce sera nom, photo, âge, date de naissance, tout pour l'enregistrement là. L'enregistrement, les fiches, les fiches, eux, ils le savent. Il y a les trucs obligatoires. D'abord, nous avons les fiches de demande, les fiches de demande, les fiches d'enregistrement, mm-hmm. qui viennent chercher la fédération. Et il y a le passeport ou la carte d'identité. Il y a le certificat médical. Pour les nouveaux, il y a ce que nous appelons l'attestation de premier enregistrement. Le joueur doit attester que c'est la première fois qu'il s'enregistre sur le Connect. Il y a le contrat du joueur qui doit être dedans. Donc, je crois que c'est les principaux documents dont nous avons besoin pour pouvoir... Monsieur Itagbaye est à côté. Oui, d'accord, nous faisons le travail à deux. Quand le joueur rentre dans le système, il ouvre, il approuve le joueur. Donc moi, après... Lorsque le club vient demander, par exemple, M. Iko est joueur de Agaza, Agaza demande une licence pour Iko, moi je vais voir si, par rapport aux documents dans le système, ce joueur-là est qualifié pour qu'on puisse lui donner la licence. Très bien. Alors, sur quel format va-t-on jouer cette nouvelle saison ? C'est le même que l'exercice écoulé ? Oui, avec une petite amélioration. Nous allons toujours jouer les championnats en deux zones à cause du problème de Covid qui n'est pas encore... Nous sommes toujours dans, comment vous appelez... L'état d'urgence. Donc, les déplacements sont limités. Mais au niveau de... Il y aura un play-off. Un play-off, pas comme ce qu'on a fait la saison passée. Au lieu de deux par groupe, ce sera trois. Il y aura trois par groupe. On fait un mini-championnat encore en 10 journées. En aller-retour. En aller-retour, mmh. en 10 journées. Et on dégagera le champion. Très bien, on revient à vous. Henri Dessondiagba, bonjour. Bonjour cher ami. Merci d'être en studio. Merci à vous, bonjour aussi à tous les amis autour de la table. C'est... Et aux nombreuses auditrices et auditeurs de Sport FM. Très bien, alors c'est quoi Connect FIFA et quelle est son importance en ce début de saison ? Merci beaucoup. Connect FIFA, c'est un programme initié par la FIFA et mise à la disposition de toutes les associations membres de la FIFA, les 211 associations. Alors, pour vous schématiser, Connect FIFA est un grand ensemble. Et le sous-ensemble, les grands sous-ensembles sont les continents, les 5 grands continents. Maintenant, chaque continent a un autre sous-ensemble qui sont les pays. Et pour nous, le Togo, notre sous-ensemble dans notre continent qui est la CAF, ou l'Afrique, c'est FTF Togo Connect. Alors, c'est un programme conçu par les experts de la FIFA sous réserve que
il y avait ce programme dénommé par le passé Licence Plus. Donc c'est une amélioration de Licence Plus qui donne maintenant Connect. Et c'est un programme conçu pour intégrer tous les acteurs du football, les joueurs, les administrateurs, les acteurs, les arbitres, les journalistes, tout le monde. Et ce système ne s'arrête pas qu'au football. Vous avez le beach soccer à l'intérieur, vous avez le futsal à l'intérieur. Mais en dehors de cela, le système est ouvert également aux jeux universitaires, aux championnats scolaires, et aux académies. À ce jour, sans vous mentir, 60 à 70% de nos académies ont quand même leur environnement dans le système qui leur permet d'incorporer tous leurs joueurs et pour que les transferts puissent se faire, puissent être opérés entre clubs de première, deuxième division vers vice-versa. Très bien. Bien entendu. Mmh. Mais ce qui est important, c'est que le système permet de voir la traçabilité des joueurs. C'est-à-dire, cette saison, vous avez joué dans telle équipe. L'année prochaine, si vous quittez par un transfert dans le système, vous avez une traçabilité. C'est ce que les experts appellent la carte électronique des joueurs. Et en plus de cela, l'avantage est qu'au cours d'une même saison, aucun joueur ne peut avoir deux licences. Vous ne pouvez pas quitter un championnat au cours d'une même saison. Par exemple, un championnat ghanéen est venu vous inscrire au Togo pour continuer. Ce n'est pas possible. Pas le passé, c'était possible. Mais cette année, depuis trois ans au Togo, ce n'est plus possible. Quand vous voulez le faire, vous avez le doublon. Et il me revient à moi, ou il revient à M. Pafio. Nous deux, nous sommes des responsables sur le système pour détecter si ce joueur-là ressemble au joueur qui était au Ghana. Si c'est vrai, c'est un doublon, vous rejetez carrément la demande. Et vous faites un petit mémo, vous faites des recommandations à la personne pour dire non. Et veuillez procéder au transfert du MAFET, c'est-à-dire demander le certificat international de transfert, CIT, ou demander son PMS avant de l'envoyer dans le système ou dans votre environnement. Oui. Donc aujourd'hui, sans vous mentir, c'est vrai qu'il y a des petits problèmes au niveau, parce que les joueurs, vous les savez, plus vous réfléchissez, eux aussi pensent qu'ils réfléchissent mieux que vous. Et peut, c'est-à-dire mais, c'est-à-dire que... Dans le faux et l'usage de faux, dans... Bon, voilà, c'est oui, ça? Bien entendu, bien entendu. Vous savez, quand le système a été mis en place, il y avait deux documents de base. Pour les Togolais, c'est le passeport ou la carte d'identité. Mais pour les étrangers, c'est uniquement que pour le passeport. Vous n'avez pas le passeport, vous ne pouvez pas compétir. C'est pour cette raison qu'on a réfléchi qu'avant de mettre en œuvre le FTF Togo Connect, nous avons demandé aux développeurs de nous mettre un semblant de démo du système. Et vous avez constaté que durant deux saisons, nous exigeons la carte d'identité, la carte d'identité, la carte d'identité. Mais aujourd'hui, sans vous mentir, je ne suis pas du service de la documentation nationale, mais la carte d'identité est facile à obtenir par rapport au point d'attribution dans les commissariats à l'intérieur ou à Lomé. Mais lorsque ces joueurs sont qualifiés pour l'équipe nationale et qu'ils veulent maintenant obtenir un document de voyage qui est le passeport, blocus. Parce que là, le service de documentation nationale est vraiment très regardant. Alors, quelles sont les conséquences? C'est que le joueur, à ce niveau, est bloqué à ne jouer que le championnat national. Parce que ni Pafio, ni moi, ne sont pas habilités à intervenir au niveau du service de la documentation nationale. C'est là où je profite pour féliciter le divisionnaire pour son travail qui a été fait. Parce que nous avons eu beaucoup de séances de travail avec lui. Il a même envoyé le commissaire à Kakbouvi pour s'entretenir avec les administrateurs qui sont au niveau des clubs de première, deuxième division et au niveau de certaines ligues. Donc, ils connaissent que lorsqu'un joueur fait faux et usage de faux, pour corriger, il y a des démarches. Donc, le commissaire à Kakbouvi les a exhortés à reprendre leurs documents de base et à reprendre les choses. Vous pouvez faire une erreur, mais lorsque vous savez que c'est une erreur, vous reprenez plus bon, le chemin.
Voilà. Alors, la question qui revient, c'est quelle est l'importance? Vous avez pratiquement défini en quoi consiste le Connect okay. FIFA. Quelle est son importance à un mois du début du championnat de D1? Bon, l'importance dans un premier temps, c'est le souci du temps. Celui qui est à Dapan aujourd'hui, l'administrateur qui est à Dapan aujourd'hui, n'est pas obligé de se déplacer avec les documents dans son sac pour venir à Lomé. Il est à Dapan. Il peut faire les... S'il a le réseau, s'il a le PC, ordinateur, et s'il a un scanner, c'est les trois documents et les trois choses qu'ils peuvent disposer pour pouvoir scanner et nous envoyer et enregistrer tous les joueurs, tous les administrateurs et tous ceux qui sont partie prenante du football de Fola à Dapan. Et en temps réel, nous le recevons. A priorité, moi. Je reçois cela, j'analyse et je valide. Alors, j'incorpore tout le monde. À ce jour, nous sommes à 4600 licenciés dans le système, y compris les joueurs et les administrateurs et le staff technique. Donc, une fois enregistré, maintenant, si FODA, avec une liste, envoie ça par WhatsApp ou par mail à Pafio, le directeur des compétitions, il va aussi dans le système et voit si tout ce que j'ai approuvé correspond, oui. correspond à la demande des joueurs pour la compétition. Et c'est à partir de ce moment qu'il valide. Alors s'il valide, on a une équipe de production et il donne ordre maintenant à cette équipe de production de produire la carte. Maintenant, la même personne n'est pas aussi obligée de se déplacer pour venir chercher. S'ils ont un représentant ici, ils jouent M. Pafio, il vient, il paye les 5000 francs par licence, on leur remet les licences. Et par courrier, on envoie ça à Dapan. Donc, dans un premier temps, c'est un souci de temps. Deuxième chose, lorsqu'il y a un problème d'évocation ou de réserve, vous n'êtes plus encore en mesure d'aller chercher dans les archives, ainsi de suite. Vous rentrez dans le système, avec votre clic, vous avez tout ce qui a fait objet de la qualification du joueur. Ça, c'est un. De deux, les académies ou les centres de formation par le passé disaient, on venait voler nos joueurs, c'est nous qui les avons formés, nous n'avons rien gagné, réserve sur réserve, réserve sur réserve. Maintenant, c'est fini cette histoire. Un club de première division, deuxième division, troisième division, qui veut le service d'un pensionnaire, d'un centre de formation, va dans le système, demande un transfert, et si l'administrateur du centre de formation ou de l'académie est d'accord, il approuve. C'est lui qui l'approuve. En dehors de l'administration de la Fédération Togolais de Foot, il approuve. Et une fois approuvé, le joueur quitte la base de données de centre de formation et se loge maintenant dans le système ou dans l'environnement du club demandeur. Vous reprenez et vous mettez maintenant vous faites la mise à jour, bien entendu, des fiches de demande de licence, les assurances, comme M. Pafio l'a dit, et ainsi de suite, et vous envoyez. Quand vous envoyez, je reçois, je les traite, je valide. Ça va chez lui et on produit maintenant la licence. Ça. Deuxième et troisième des choses, c'est qu'en temps réel, un club peut faire les statistiques de ses joueurs. Il peut dire, ah, il a dit tout à l'heure que c'est illimité. Si vous avez 1000, 2000, 3000 que vous avez formés, incorporez-les tout simplement. Les 30 que vous allez ou les 40 que vous allez utiliser, vous les utilisez. Le reste est à la disposition des autres clubs qui peuvent vous faire venir un peu de l'argent. Et en plus de cela, le système est tellement fait en sorte que lorsque un transfert est fait sur le plan international, le droit de solidarité qui doit être payé à travers un agent de joueur, c'est fini cette histoire. On regarde dans le système, on voit si le club a son numéro de compte et son SWIFT, tout. Et là, le club recevant le joueur fait le transfert directement dans le système sans passer par un intermédiaire. Et tout ça, la FIFA l'a mis en place pour pouvoir contrôler ceux qui font les blanchiments d'argent, ceux qui font un certain nombre de choses, et pour aider les clubs africains qui ont beaucoup triché. On les a sérieusement trichés. Je fais une parenthèse, le cas de Chehi, je l'ai dit souvent ici. Mm-hmm. Normalement, c'est Akusa Kamerio qui devait être le bénéficiaire de ses droits de transfert jusqu'à sa retraite. Mais ce n'est pas le cas, c'est Metz qui a incorporé Chehi pour une première fois. Je profite également pour dire, même notre fille, ma fille, Wadoukou, ma fille, Atleta a fait une erreur de ne pas l'incorporer. Mais lorsqu'il m'a saisi et que je suis rentré dans le système, paf,
C'est le club français qui l'a incorporé. Et c'est perdu. C'est perdu. Aïe, aïe, aïe. C'est perdu. Sauf que quand je suis allé à l'information, je suis maintenant obligé de faire un transfert de ma fille dans le système que l'administrateur français valide. Je le récupère dans notre système. Je fais les transactions où je mets les documents de l'athlète et je demande maintenant à l'administrateur du club là de reprendre. Oh, les Français sont très, 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 très minutieux là-dedans. Comment se fait-il qu'au cours d'une même saison, cette joueuse-là a fait transfert au Togo et reparti? Donc, c'est fini. C'est fini. Donc, l'État ne peut plus rien gagner sur ma fille. Ils peuvent gagner au moment où la fille partait, mais à partir du moment où ma fille quitte le club dans lequel il évolue pour un autre club, les droits de solidarité seront versés au club en question. Mais pour Manim, on a tout fait pour qu'elle soit inscrite dans la base de Amis du Monde. Donc aujourd'hui, Manim, on doit en principe faire le transfert à partir de Amis du Monde vers là. Donc c'est une parenthèse. Vous me demandez les avantages. Ce sont ces avantages que je suis en train de vous dire. Bientôt, nous aurons également le logiciel des compétitions. Ce logiciel des compétitions va beaucoup faciliter la tâche à M. Pafio. Avec clic, vous mettez les clubs, clic, les matchs sont programmés. Il suffit de programmer le premier match, les matchs choc de la saison. Avec un seul clic, vous avez tout le match, tout le calendrier de la saison. Les calendriers, les dates, le stade sur lequel. Et puis le système même est fait en sorte que les clubs peuvent poster leur stade dans le système. Ce qui fait que le jour où on aura une grande compétition, les gens ou les experts de la FIFA ne seront plus obligés de venir constater, mais déjà avec l'image de ces stades qui sont sur Connect. Il y a aussi le TMS, qui est le système Master Transfer, également, qui fait partie des transferts des joueurs sur le plan international. Donc, tous les clubs, en principe, doivent s'inscrire dans le TMS. Tous les clubs doivent s'inscrire dans FTF Togo Connect, y compris les académies, les centres de formation. Si vous êtes aujourd'hui au Togo et que vous avez ces structures et vous n'êtes pas là-dedans, c'est comme si vous êtes en train de faire un travail en l'air où vous prêchez dans le désert. Pafio Dobou, la question qui revient aussi, lorsqu'on regarde le chronogramme, il y a le début de la D2 le 28 novembre prochain, de la D1 le 28 novembre prochain, ensuite ce sera la D2, après il y aura le championnat des filles, ainsi de suite, la Coupe du Togo. Mais la remarque est que souvent, on ne respecte pas à la lettre ces dates. Qu'est-ce qui crée ce problème? Qu'est-ce qui fait le problème? Bien, si vous vous souvenez, ça doit être le deuxième chronogramme qu'on a sorti. Parce que nous faisons... Le Togo est câblé sur le système FIFA. Ça veut dire le championnat est sur deux saisons. Deux années. À cheval. Oui, sur deux années. Et... vous savez que notre championnat est subventionné par l'État. Voilà un des problèmes. Et il y a la fédération qui apporte une subvention, l'État qui apporte une subvention. Nous sommes aujourd'hui au mois de fin octobre, début novembre. Si nous lançons le championnat là, c'est sûr que l'État nous dira notre disponibilité, c'est à partir du mois de février, mars. Oui. Est-ce que vous voyez? Et donc, il va falloir que la fédération mette les petits points dans les grands pour faire démarrer la le compétition. Oui. Cette année, on a eu le problème des évocations qui ont fait que nous ne pouvions pas commencer le championnat sans savoir surtout la relégation qui a posé le problème. Donc c'est ça qui fait qu'en temps on a changé. Donc nous on fait un travail technique au niveau du bureau, mais il y a l'environnement des fois qui vous impose certaines choses que vous devez compter, sur lesquelles vous devez compter pour évoluer. Donc c'est ça. On fait le travail, mais après, s'il y a des petits grains qui rentrent dans le mécanisme, on ne peut pas évoluer.
Donati Sowi, le chronogramme, il est là. L'ouverture de la saison, c'était la dernière fois. Oui, à vos yeux, est-ce que tout va bien? Vous avez constaté un mouvement au niveau des clubs, ça bouge. En attendant le 28 novembre, que dites-vous? Oui, bien avant même, surtout je pense, hein, bien avant le premier chronogramme qui a été publié par la fédération, il y a des clubs, certains clubs qui ont commencé déjà par s'entraîner dans l'optique de démarrer le 31 octobre. Mais finalement, c'est reporté sur le 28 novembre. Et moi, je pense véritablement que les clubs, maintenant, sont sûrs et certains. Parce que quand, là, c'est la deuxième fois, il y a une certitude que le championnat va bel et bien démarrer le 28 octobre. Donc là, ici et là, les clubs s'entraînent, les recrutements se font, les matchs amicaux se multiplient. Il y a Asco, qui est double champion du Togo, qui a envie de glaner encore une fois le trophée pour représenter le pays en Ligue des Champions la saison prochaine, qui joue ces matchs amicaux là. Il y a d'autres clubs également qui font de même pour être plus présents. Dans tout ça, il y a certains qui n'ont pas donné signe de vie, hein, même si aujourd'hui on est à moins d'un mois du démarrage de la compétition. Mais ce qui est sûr, il y aura bel et bien championnat, mais il va falloir véritablement que la fédération puisse respecter son chronogramme, parce que ça fait un moment que surtout la Coupe du Togo n'a plus été jouée. On a vu il y a deux voire trois saisons, avant même le Covid, il y a deux voire trois saisons, la Coupe du Togo était dans le chronogramme, mais finalement, on a dit que par faute de moyens et autres, la compétition ne pourra plus être jouée. Mais moi, je pense que c'est ce qui fait défaut à nos clubs togolais sur le continent. Nous ne jouons pas assez. Nos joueurs togolais n'ont pas assez de compétition dans le jambes. À part les quelques journées en championnat, il n'y a plus d'autres compétitions qui pourraient leur permettre de véritablement être en jambes, être prêt physiquement lorsque le niveau est un peu élevé. Donc moi, je pense que à part le championnat qui va se jouer en deux zones et les playoffs désormais avec 10 matchs en plus, c'est bien. Donc quand on ajoute encore une fois la Coupe du Togo et la Coupe de l'Indépendance, quand on voit dans le programme tout y est, si on arrive à respecter tout cela, je pense que ça serait une bonne chose pour les joueurs togolais et le club pour pouvoir véritablement jouer, avoir de la compétition. Igor Rodrigue, oui. Ouais, souvent, vous connaissez bien, lorsqu'une saison doit démarrer, les préalables, ce qu'un club doit faire, comment ça se fait. Visiblement, lorsque vous jetez un regard global autour de vous, que constatez-vous? Ça prend, les clubs voilà, sautent maintenant. On se dit, oui, il y a un objectif devant. Vous constatez ça? C'est la routine. Hein. Ça doit être la routine de tout club. Il ne faut pas que les clubs attendent la fédération. Vous savez que vous devez être engagé. Vous devez vous préparer pour l'engagement. Vous savez que vous devez également faire l'inscription, la demande des licences et tout. Vous devez vous apprêter. Maintenant, vous devez avoir votre effectif. Vous devez avoir votre staff technique. Les dirigeants sont là. Donc, vous devez vous préparer pour la saison. Et je pense que c'est ce que tous les clubs qui veulent peut-être jouer ce championnat ou bien veulent être prêts pour le démarrage du championnat, c'est ce qu'ils doivent faire. Maintenant, il faut attendre le chronogramme. Et je crois qu'avec la publication du chronogramme, les clubs aujourd'hui savent ce qu'ils doivent faire pour qu'ils soient prêts pour la première journée du championnat. Et c'est vrai que quand M. Pafiou parle tout à l'heure du chronogramme, qui par moment doit être changé par rapport aux dispositions, surtout financières, au niveau de la fédération. Moi, je crois que c'est là où il faut s'atteler au niveau de la fédération pour, comme il a expliqué tout à l'heure, voir avec le budget. C'est vrai, quand on parle d'une saison, ça s'échelonne sur deux années. Aujourd'hui, on dit championnat national de football de première division 2021-2022. On sait que ça doit peut-être démarrer vers le troisième trimestre ou bien vers le troisième trimestre de l'année 2021 et terminer peut-être vers la fin du deuxième trimestre ou bien vers le début du troisième trimestre de l'année 2022. Ça doit être une préparation en amont. Nous avons beaucoup déploré le fait que on voit ailleurs. On voit peut-être en Europe où la date est donnée, même les matchs internationaux, tout est bien programmé. C'est ce que nous ne voyons pas ici. Et M. Pafiou a essayé de donner une piste ou une explication. Et nous sommes conscients de ce qu'il a dit.
mais il faut toujours négocier, il faut toujours discuter avec l'État pour que la subvention, parce que nous savons que nous ne sommes pas un championnat professionnel, nous sommes un championnat amateur, mais ça ne donne pas raison pour que les dates soient bousculées. D'abord, ça détruit le travail du staff technique, ça également détruit la programmation des dirigeants des clubs, et puis ça ne met pas une régularité sur l'état de forme des joueurs. Donc je pense que c'est en cela. Maintenant, en ce qui concerne les clubs, je crois que si vous avez engagé votre club pour que ce soit un championnat de première division ou de deuxième division, vous devez, en collaboration avec l'administration de la fédération, l'administration des compétitions, être prêt pour aborder ce championnat. C'est vrai que il y a dans chaque situation, il y a certains qui sont toujours au pas et d'autres qui traînent. On voit aujourd'hui le cas des clubs, de certains clubs qui aujourd'hui n'ont même pas encore de staff technique, n'ont même pas encore les joueurs pour ne commencent pas, n'ont pas encore commencé les entraînements. Mais toutes ces équipes-là aspirent à jouer le championnat. Donc on attend de voir ce que ça va donner au démarrage de ce championnat. Mohamed Touré, oui, toujours derrière ces massifs, rien à dire. Ou bien c'est l'OTR? Non, c'est Semassi. Semassi. Oui, oui, oui. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous dit, cette ouverture de la nouvelle saison? Oui, avant d'en arriver là, permettez-moi de féliciter nos deux doyens à travers leur développement. J'ai été impressionné. J'ai voulu dire de les laisser continuer. Ou bien? Oui, mais mon souhait est que ça soit applicable efficacement dans les prochains jours à venir et que profitable à tous. Mais là où j'aimerais attirer leur attention, c'est à propos des académies. Ce qu'ils attendent par académie, de faire beaucoup attention. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les regroupements des académies, des deux académies, il y a des gens qui peuvent réunir les conditions proposées, dire qu'ils ont des académies avec, administrativement, mais physiquement, ce qui n'existe pas. C'est là où je veux attirer leur attention. Vous voulez dire qu'il faut un peu encadrer. Oui, il faut un peu encadrer cela. Oui. Parce qu'il y a des gens, quand j'ai suivi entre-temps, c'est juste l'académie. C'est juste dans la bouche. Il suffit qu'on dise qu'aujourd'hui, les responsables viennent pour les visiter. C'est moi qui coule de gauche à droite pour chercher les enfants dans les quartiers, venir se regrouper, jouer. Et quand ils vont applaudir, qu'ils sont en forme. Et puis, ils passent. C'est-à-dire que c'est une académie. C'est ce que nous constatons au Togo. Là, en ce moment, il ne faut pas que quelqu'un qui a un enfant, peut-être je peux faire venir un petit peu du village comme ça, il est sorti une fois jouer dans un quartier, en jouant peut-être avec le sport de l'équipe de l'académie, soi-disant académie qu'il a joué, ils ont discuté un peu. Moi, je suis en train de le chercher un club ailleurs. À ma grande surprise, quand je l'engage là-bas, on me dit qu'il appartient à telle académie. Vous voyez, c'est là où je veux attirer l'attention. Voilà, c'est ce que vous dites. Ouais. Donc, il faut au moins certaines conditions pour savoir qui admettre comme académie avant de les enregistrer dans le système. Très bien. J'ai vu Pafio qui voulait réagir. Je vais juste rassurer M. Touré que depuis la mise en place de la technique nationale, la fédération est en train de réfléchir à la chose et en collaboration ou bien en liaison avec la direction nationale des sports. Il y a un travail qui est en train de se faire pour que, comme ça se fait au ministère de l'Éducation nationale, que ces académies, sur des critères qui seront bien définis, puissent avoir un agrément. Donc, un centre qui n'aurait pas l'agrément du ministère ne serait pas autorisé à travailler. Parce que vous ne pouvez pas savoir que c'est des centres qui travaillent sur les enfants. Et la gestion des enfants est très délicate. Il faut qu'on voit autour qu'est-ce qu'on donne à ces enfants-là. Donc, comme tu l'as dit, c'est vrai, il y a de ces centres, de ces académies qui n'ont que peut-être un, deux ballons, un éducateur. Pourvu qu'à la fin de la saison, on ait un ou deux joueurs envoyés à Gaza, à Sfosa, pour prendre 100 000, 150 000. Mais je te promets que d'ici la saison prochaine, il y aura un cadre juridique bien défini pour la création et le fonctionnement de ces académies-là. Très bien. Henri Descendre Diagua, vous voulez... Juste rassurer mon frère Touré que le système FIFA Connect... Pour nous au Togo, FTF Togo Connect prévoit
que vous, Touré, si vous avez un enfant voilà. qui a déjà 10 ans, 8 ans, 10 ans, ou 6 ans, 10 ans, vous voyez le devenir de cet enfant qui doit être un joueur très talentueux, possédant des qualités, vous m'appelez, vous me demandez que vous voulez protéger votre joueur ou protéger votre enfant. Je vous forme, je vous donne le lien, je vous forme et vous incorporez cet enfant s'il a une carte d'identité nationale ou s'il a un passeport. Ça veut dire que cet enfant qui est protégé par vous, étant que père ou mère, si demain il veut évoluer dans un centre de formation, dans une académie, ou dans un club, c'est le club qui vous demandera maintenant voilà. de lui accepter le transfert. Donc c'est un système qui est fait souple. J'ai parlé du championnat scolaire. Ça veut dire que si un directeur d'école primaire, déjà avec son moniteur, qui forme les enfants, qui encadre ses enfants pour compétir au championnat scolaire des minimes ou de CM1, CM2, des cadets, nous sollicite, on y va, on va les voir, on leur donnera les conseils. S'ils ont les statuts, s'ils ont les logos, s'ils ont la dénomination du club qu'ils ont formé, le système est ouvert, nous les incorporons. Et c'est ce que la FIFA nous conseille d'ailleurs, d'incorporer les enfants dès le très bas âge pour éviter la tricherie. Donc, si nous mettons ce système uniquement à la disposition des clubs première, deuxième, troisième division, alors que les académies, les centres de formation, je suis d'accord avec vous qu'il reste beaucoup à faire au Togo. Il reste beaucoup. Je ne sais même pas s'il y a un centre de formation qui a un agrément de l'État actuellement. La plupart se sont enregistrés sous le régime d'association 1901. Il le sait très bien. Donc, avec leur statut. Donc, progressivement, nous allons mettre les bouchées doubles. Vous avez posé aussi une question, pourquoi ce changement de calendrier oui. Vous savez, avec le Covid et la pandémie, l'État aussi avait prolongé d'un mois d'inactivité des clubs. Et ça aussi, ça a bousculé le premier calendrier que la direction des compétitions a mis en place. Donc c'est aussi l'une des raisons qui a permis de décaler et de refaire maintenant le chronogramme, le nouveau chronogramme. Pour compléter ce que Henri a dit, aujourd'hui même, il y a au niveau de la FIFA, la gestion des championnats scolaires. Il y a même un séminaire, je crois, il y a de cela 3-4 mois au Bénin. Et de retour, la direction des sports scolaires et la fédération, on a fait pour que la fédération puisse, en collaboration avec ce département, gérer le côté administratif. Comme le dit Henri, côté administratif de ce championnat. Ça veut dire que tous nos jeunes qui vont jouer le championnat scolaire au niveau des inspections, au niveau des régions et au niveau national, doivent passer par le CONNECT et avoir une licence CONNECT. Aujourd'hui, un joueur qui a eu sa première licence avec Asfosa, quand il passe d'Asfosa à Doumbé, vous verrez derrière la licence, on dit saison 2020-2021, Asfosa de Lomé. Saison 2021-2022, Doumbé de Mango. Saison 2022-2023. Donc, ainsi de suite. L'historique, c'est que déjà, le passeport sportif du joueur est défini. Ce qui fait que on ne peut plus, comme certains joueurs, un joueur dont le problème est rentré dans ce pays pendant plusieurs mois et qui tient toujours. On ne peut plus prendre un joueur d'un club, aller l'enregistrer dans un autre pays comme un joueur tout neuf pour pouvoir le vendre, comme on le dit, et ausculter les intérêts des clubs, des premiers clubs. Parce qu'il y a toujours ce que nous appelons les frais de solidarité. Et quand on le fait comme ça, ça veut dire que si le joueur a fait à Gaza et Maranatha, avant d'arriver là où il est, les deux clubs-là n'ont rien. Et c'est les intermédiaires qui bénéficient de tout ça. Donc voilà à peu près ce à quoi nous voulons aller. Et on a même déjà une formation avec les administrateurs à partir du 2 novembre pour encore renforcer
les capacités de ces administrateurs. Mais malheureusement, ce que nous redoutons, c'est que beaucoup de clubs ne sont pas stables. Et chaque année, on vous envoie un nouvel administrateur qu'il faut former. Lorsqu'il maîtrise le travail, la saison qui vient, un autre vient. Et puis, c'est l'éternel recommencement. Et ça vous dérange? Beaucoup. Très bien. Alors, quels seront les accompagnements cette saison? Les subventions vont être quoi? 5 millions, 10 millions, assistance Covid, tout cela sera toujours au rendez-vous? Oui, tout ça sera défini avec les... Il y a une rencontre avec les présidents des clubs bientôt. Avant le 21 sera quand même l'ouverture de la saison avec le trophée des champions. Mm. Donc avant ça, il y aura la fédération va rencontrer les présidents des clubs et discuter avec eux, leur donner le montant. Mm. Moi, je n'ai pas cette prétention-là de dire aujourd'hui combien on va donner à chaque club et à partir de quand. Vous êtes le directeur des compétitions, vous avez le pouvoir. Non, je n'ai pas ce pouvoir. Mon pouvoir, c'est d'organiser les compétitions et il y a une autre cellule qui apporte l'argent. Oui, mais moi, tout cela, vous devez savoir. Même si je le sais, je n'ai pas autorité à le dire ici. Mais c'est 10 millions. Je ne sais pas. C'est 5. Je ne sais pas. Mais c'est 8. Mais je ne peux pas te le dire. Même si j'ai l'affiche devant moi, je ne peux pas te le dire. Bien. Malheureusement. En offre, on peut encore discuter. Très bien. Ok, on va aller voir ce que font les clubs, les matchs amicaux, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est autour de l'ouverture de la saison et de la préparation de la nouvelle saison avec Grégoire Attignon, les préparatifs. Les clubs de D1 et D2 poursuivent leurs préparatifs pour la nouvelle saison sportive au Togo. C'est dans ce cadre que des matchs amicaux ont été disputés mercredi. Au stade municipal de Lomé, l'entente 2 s'est mesurée à Tambo FC de Dacha. Victoire à l'arrivée des jaunes de Kodjovia Kopenye Konakwe à Djololo, 1-0. Le coach Ayivi Maurice de l'entente 2 satisfait du comportement affiché par ses joueurs au cours de la rencontre. Satisfait, je peux dire, je suis satisfait parce qu'on vient de commencer notre saison. Tardivement, on n'a pas commencé à temps. Et Tambo, l'équipe en face a bien débuté ses préparations depuis des mois. Et c'est pour cela que vous voyez, bon, dans le jeu, ils ont harcelé physiquement. Ils ont fait un jeu physique. Nous, on s'est en sorti par un système tactique qu'on a respecté à la lettre. Bon, on a pu prendre la victoire. Voilà, au-delà donc de cette victoire, est-ce que ce que vous recherchez en initiant ce match amical, est-ce que vous l'avez eu? Et quelque part, je l'ai eu parce que c'est un nouveau système qu'on est en train de tester. Avant, en temps de jouer 3-3. Maintenant, vous allez voir que derrière, on a joué 3-4-3. C'est ça qu'on est en train de profiler. On va voir avec une équipe de telle envergure comment est-ce qu'ils vont se comporter derrière. Aujourd'hui, c'est un match amical contre Tambo. La suite de votre préparation? Oui, la suite, on va continuer par chercher les manquements de ce système et profiler avant le début du championnat. Et on envisage aussi de jouer pas mal de matchs amicaux avec des clubs que je terme le nom pour le moment. Pour Joli Agbessi, coach de Tambo, l'important est la réaction de son équipe durant ce match. Je pense que nous avons perdu même le contenu hier. Ça a été un très bon contenu des deux côtés. J'ai vu que nous avons été beaucoup plus dans la possession de la balle. Nous avons encaissé un but déjà dès l'entame de jeu. Mais je pense que toute la partie, c'est nous qui avons fait tout le match. Malheureusement, nous n'avons pas pu revenir au score. Mais ce qui est important dans ce genre de rencontre, c'est voir le contenu, le dispositif tactique et puis bon, pour voir quel réglage apporter avant le démarrage du championnat. Au niveau de la finition, il n'y avait pas de prise de responsabilité. J'en ai eu à discuter avec mes gars à la pause. En seconde mi-temps, ils ont essayé, mais je pense qu'il faut en ce moment travailler le mental et puis bon, ça va venir parce qu'il manque de prise de responsabilité devant les buts. Vous préparez la saison après ce match amical. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant pour la suite? Après ce match amical, je pense que nous allons encore enchaîner avec des matchs amicaux. Nous démarrons le 4 décembre, nous avons encore le temps. Donc nous allons faire assez de matchs amicaux. Déjà, je pense que dans la semaine, nous allons monter au nord pour jouer contre ASCO et SK. C'est deux bons matchs qui nous prépare pour la seconde division. Ailleurs, Ifoje d'Atapame était aussi en amical. Le club de Logou a affronté l'Académie Beausport. C'est Ifoje qui l'emporte au finish 4-2. Le club de la ville des Sept Collines, qui rappelons-le, a un nouveau comité directeur depuis la semaine dernière. La nouvelle présidente Florence Yawa Kuigan, qui évoque ici par quels moyens elle compte diriger le club. Du travail, de l'organisation, de la discipline, de l'engagement, du courage. Il y a comme ça un certain nombre
de qualité, de valeurs dans lesquelles nous croyons profondément. Notre engagement, c'est de partager constamment ces valeurs entre nous, membres du bureau exécutif, mais également avec les équipes sportives, afin que cela devienne une culture de tous les jours et que cela contribue à inscrire le succès dans les habitudes de ce club. Dans l'histoire du Togo, vous êtes la première dame à prendre un club de première division. Qu'est-ce que ça vous dit, présidente ? En réalité, je suis de ceux qui croient que homme ou femme, ça ne fait pas de différence pour être capable de faire les choses. Donc c'est une question de capacité, d'engagement et de compétence. Nous avons la prétention, en toute modestie, de penser que nous pouvons le faire, pas seuls, mais ensemble avec toutes les compétences et toutes les capacités que nous trouverons sur place. Et donc, c'est quelque chose que nous abordons avec beaucoup d'optimisme. Voilà, Grégoire Attignon sur les matchs amicaux. On va dire un 0 pour un temps 2, qui a un nouvel entraîneur. C'est Maurice Aïvi, qui n'est autre que l'enfant du regretté Aïvi Ekouvi, qui prend désormais l'entente 2 et de l'autre côté Tambo, qui s'est essayé avec Joli Agbessi, 1-0 pour les jaunes de Kodiovia Kopeni Konakwe à Djololo. Voilà, on veut s'apprêter, on joue des matchs amicaux pour être prêt physiquement, tactiquement, ainsi de suite. C'est ce à quoi il faut s'en tenir en ce moment pour les clubs. Oui, pas seulement pour les clubs. Ça, c'est au niveau du staff technique, parce que là, sur le terrain, on verra les joueurs et le staff technique. Donc, au niveau du staff technique, c'est ce qui se fait. Il faudrait que le technicien en place puisse dire voilà, tel nombre de joueurs ou tel joueur rentre dans mon système et demande aux dirigeants de le garder. Et c'est là où maintenant les dirigeants, étant sûr du staff technique, peuvent demander maintenant à enregistrer le joueur et à lui demander une licence. Mmh. Voilà, vous n'allez pas demander de licence à n'importe qui, à Mohamed Touré, alors qu'au moment venu, Mohamed Touré ne sera pas dans le plan de l'entraîneur Dom Pafio. Mmh. Vous n'allez pas demander à ce qu'on enregistre John Atiso, alors que dans moi, l'entraîneur n'a pas besoin de voilà. lui. Voilà, donc c'est là le travail en amont. C'est pourquoi on dit que c'est un travail de préparation. Mohamed peut ne pas être bon pour l'entraîneur Dobou, mais peut être bon pour moi. Et moi, je peux l'enrôler. Donc, c'est des essais qu'ils sont en train de faire pour avoir un effectif donné. Et maintenant, c'est à partir de l'effectif maintenant qu'on peut demander la licence. Donc, je crois que cette période-là, ça va leur permettre de bien peaufiner leur effectif et de pouvoir être prêt administrativement. Oui, John Atiso, il y en a qui ont changé de comité exécutif, de staff technique. Le cas, par exemple, au niveau de Doumbé, c'est un nouveau bureau. Fouadan, un nouveau bureau. Il faudrait également qu'il s'est donné l'occasion de changer de bureau. Un bureau dirigé désormais par Madame Florence Yaoua Kuiga. Il faut dire, lorsque vous prenez par exemple Semassi, c'est désormais l'ancien entraîneur d'Unisport Sibabi Akpo qui est là. Au niveau donc d'Unisport, c'est Maurice Noutoudje qui a été choisi. Voilà, c'est aussi ça, la pré-saison. Hein. Oui, c'est aussi ça la pré-saison. Il faut faire le bilan de la saison antérieure pour voir ce qui n'a pas marché. Si c'est l'entraîneur qui n'a pas véritablement impacté, on le change pour un autre. C'est toujours comme ça le football. Ce sont des préalables pour un début de nouvelle saison. Et maintenant, par rapport aux clubs qui ont changé de comité exécutif, c'est là que le plus gros travail va se faire. Parce que là, il faut engager un nouvel entraîneur. Il faut véritablement rappeler des joueurs qui ont joué la saison dernière pour voir si ces joueurs-là entrent dans le système tactique du coach, si ces joueurs-là vont véritablement accepter les nouvelles prétentions salariales du comité exécutif. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Maintenant, il faut quand même le dire, le football, il est universel. Comment on se prépare au Real Madrid, c'est de la même façon qu'on va le faire à Doumbé, de Mango ou à Fouadan. Parce que là, on commence avec le physique. Parce que vous pensez que c'est de la même manière? Oui, parce que non, moi je parle de façon théorique. Oui, maintenant les réalités ne sont pas les mêmes. Oui, les réalités ne sont pas les mêmes. Il y a une différence de niveau, de moyens, d'organisation, de moyens entre ces deux clubs. Mmh. Mais de façon théorique, quand on revient, il faut le physique. Premièrement, on voit les joueurs qui sont en forme.
les joueurs qui ont pris assez de poids, les joueurs qu'il faut véritablement travailler sur eux pour diminuer en termes de poids. Maintenant, on revient au basique, le physique premièrement, et maintenant, après ça, on commence le travail sur le terrain, le travail tactique, parce que c'est à partir de là qu'on aura construit une équipe pour toute la saison. Parce que quand les joueurs sont physiquement en forme, là, c'est le coach qui va définir le style de jeu, le système tactique qu'on va employer pour véritablement contrecarrer. Même si, d'une journée à une autre, on pourra tout simplement varier. C'est là l'important de la pré-saison. On travaille plusieurs systèmes tactiques pour permettre à l'équipe d'être véritablement huilée pour aborder la nouvelle saison. Oui, Mohamed Touré, à chaque fois qu'on annonce le début d'une nouvelle saison, beaucoup pensent à Semassi. Et c'est normal parce que 10 fois champion du Togo. Et depuis, on annonce le 11e titre avec un 11e président qui est là. Mais ça ne vient toujours pas. Mais l'ambition reste le même. Vous êtes proche de cette équipe aujourd'hui. Sincèrement, pensez-vous que les choses sont faites dans les normes pour permettre aux guerriers de jouer les premiers rôles? La question immédiate. La réponse, c'est que non. Non, quand on prend vraiment ce qu'est qu'un club et comment le club doit fonctionner au niveau des sémantiques, on essaie. On essaie, parce que quand tu compares, quand on prend certains clubs du Togo, tels que l'ACK, ASCO, comment ces clubs sont organisés, je pense qu'au niveau des sémantiques, ce n'est pas ça. Puisque ce que nous devons comprendre, c'est de cesser de faire du bruit autour de nos clubs. Tout d'abord, il y a l'influence des supporters, ceux qui se disent supporters. Il y a ceux qui se disent propriétaires des clubs. C'est ça notre problème au Togo. Ah bon? Oui, c'est ce qui fait que les clubs ne marchent pas. Parce qu'au niveau de Semassi, le président Lille est là avec son staff, en train de se battre. À côté, il y a certains qui se disent que c'est eux le club. Sans eux, ça ne rien ne peut marcher. Vous voyez, c'est pourquoi je dis actuellement, nous sommes en train d'assainir notre football. Et la fédération aujourd'hui est en train de faire un peu, même si parfois on est obligé de la critiquer, et c'est notre rôle de le critiquer. Parce que quand on ne critique personne, il pense que ce qu'il fait, c'est bon. Même quand tu fais tout ce que tu fais, c'est bon, on doit te critiquer. Donc, la fédération aujourd'hui doit former les gens. En quel sens? Oui, a dit que quand le championnat s'annonce comme ça, tous les acteurs proches directs doivent être formés. Les présidents, les secrétaires, ceux qui entourent directement le club. Tout le monde doit être formé. Qu'est-ce qu'un président du club? Le président n'est pas seulement là pour que quelqu'un se dise « Je suis proche d'un membre de la fédération ou bien je suis dans le staff, dans la direction technique, donc je peux apporter un plus ». Il vient avec comme des business, le président de plus l'argent. Non, ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Il faut un organigramme. Comment un président doit faire cette dépense? Comment le président doit écouter les gens qu'il faut écouter pour la bonne marche du club? Quand on est président, on ne doit pas prendre toutes les décisions, c'est ce que vous voulez dire? Seul, ou bien il ne faut pas que un président soit influencé. Il doit savoir ses objectifs. C'est pourquoi il y a tous ces chamboulements. Aujourd'hui, tu vas voir que l'entraîneur a été changé parce qu'à côté, il y a certains qui font la pression que non, on n'a rien gagné dedans. Et à côté, il y a telle personne, tel joueur qu'on doit libérer parce que le joueur-là n'a pas répondu. Alors, qu'est-ce qui a été organisé pour que le résultat vienne? C'est ce qui fait le problème de Semassi. Actuellement, Semassi, c'est un problème profond. Si je ne suis pas habilité à dire ce qu'il y a, mais étant proche du club et peut-être proche du président, je peux dire qu'au niveau de Semassi, ça ne va pas. Ils essaient, mais ce n'est pas ça. Et donc le 11e titre, ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour demain, mais ça peut venir peut-être jusqu'à la fin de son mandat, ça peut arriver. Voilà, on va écouter également qui Tiagara de la SCK, qui également était en amical avec Semassi. Nous l'écoutons. Dans l'ensemble, c'était un match intéressant, avec plein d'intensité. Un match d'une compétition du championnat, c'était ce qu'on recherchait. On a trouvé ça face à Semassi et nous sommes très contents. On a vu beaucoup de choses, ce que nous avons travaillé. Il y a beaucoup de choses à améliorer encore. Heureusement, le championnat a été repoussé. Je crois que jusqu'au temps de ce championnat, on serait prêt pour la compétition. Un premier match, vous promettez le deuxième camp? Nous devons travailler et revenir au plus tôt dans 2 semaines, voir si ce que nous avons corrigé a pu marcher. Tiagara Ouro Koura, qui fait partie de l'encadrement de la SCK.
Et on va écouter aussi le nouvel entraîneur de Semassi, Sibabi Akpo Yazidou. On peut dire que ça promet, dans la mesure où on a démarré, on fait bientôt un mois, et on est en train de chercher un match de niveau, on a fait plusieurs matchs amicaux. On peut dire qu'on a déjà trouvé un match de niveau avec les Nigériens qui étaient arrivés pour les tests. Notre deuxième match de niveau aujourd'hui aussi, c'est promettant. Et moi, je dis félicitations aux joueurs parce que ce n'était pas facile. Les conditions dans lesquelles on est arrivé, descendre de la voiture, démarrer le match, il y a longtemps, on a pu faire ça. Bon, mais ils sont toujours en formation. C'est bien, dans le jeu, la première partie, on avait les jambes lourdes, assez calme, mieux circulé. Sauf que les occasions, les deux équipes, on sent que c'est pas encore ça. On a donné des opportunités à l'adversaire, des deux côtés. Maintenant, chacun n'a pas su profiter à la première partie. À la deuxième partie, nous, on l'a répété, assez calme, su profiter. Et assez calme, la fin, on n'a pas su aussi profiter. À la fin, on égalise et le jeu se stabilise. Félicitations aux deux équipes. Et cela, assez calme aussi, on a senti que l'équipe a été remaniée aussi. Des deux côtés, ça promet. Voilà, des deux côtés, ça promet. Unisport, ASK, deux des clubs les mieux organisés du pays, visiblement. Oui, Pafiodobou, souvent, oui. À la fin des saisons, il y a toujours de petits litiges à régler, de petits contentieux, de petits problèmes. Ben, est-ce que c'est les commissions qui ne font pas leur travail? C'est la direction des compétitions? Comment peut-on expliquer tous ces problèmes? Par exemple, je ne vais pas mâcher mes mots, la dernière fois, c'était encore cette affaire entre Maranatha et Ange, finalement, tranchée. Mais pourquoi chaque saison doit faire face à de tels problèmes? Je n'aurais pas voulu rentrer dans ça, mais je veux te donner juste dire ceci. Que, vous savez, nous n'avons pas d'influence sur les enregistrements. Chaque club met dans le système les papiers qu'il juge vrais. Par exemple, si moi je veux enregistrer M. John Atisso, si je mets John Atisso né en 1965, alors qu'il est en 90, où il est né, la fédération ne peut pas contrôler ça. Une fois qu'il a, une carte d'identité ou un passeport, avec ces informations, nous, on le valide. Mais il y a aussi un article des règlements généraux de la fédération qui dit, même si tu as une licence et que l'enregistrement n'est pas fait selon les textes de la fédération, tu n'es pas qualifié. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que par saison, je visite au moins 1000 joueurs. Si je prends 40 joueurs par club, fois 32 joueurs D1, D2, ça me fait 1200 joueurs que je dois visiter individuellement avant de leur délivrer les licences. Je ne peux pas appeler un ministère ou bien une direction de la documentation pour savoir si la pièce donnée à tel ou tel est vraie. Donc nous, par rapport, vous êtes responsable de ce que vous mettez dedans. Mais si demain, quelqu'un apporte une preuve contraire à ce que vous avez mis, là, ça ne dépend plus de l'administration, mais ça devient un problème de commission. C'est les commissions juridictionnelles, commissions de discipline et au-dessus, les commissions de recours qui s'en chargent. Des fois, ça traîne parce qu'il faut que ces commissions fassent des investigations. Au-delà des dossiers qui sont, des papiers qui sont dans les dossiers, des fois, il faut aller peut-être demander des apports d'une fédération sœur, Bénin, Nigeria, Burkina. Ghana, ainsi de suite. Et c'est ça qui traîne des fois. Ce qui fait que cette année, on a eu que un problème au niveau de la D1, un problème au niveau de la D2. Mais vous voyez combien de fois ça a traîné. C'est la seule évocation au niveau de la D1 qui était le problème à Ranata et Ange. Et au niveau de la D2, c'est le problème Asfosa. Mais ça, le travail n'a pas été spontané et ça a traîné l'eau. Un truc qu'on peut faire peut-être sur 15 jours, on l'a fait sur peut-être 4, 5, 6 semaines. Voilà, c'est tout. Sinon, nous sommes en train de réfléchir, en revisitant les règlements cette année, de tout faire pour qu'une licence que la fédération va délivrer désormais ne soit plus attaquable par d'autres équipes. On veut aller dans ce sens pour voir comment on peut faire pour que les licences soient des licences inattaquables. Est-ce que ça va être possible? Mais
en commission de rédaction de règlement, on verra. Mais sachant que le football vit aussi des fraudes, ça va être difficile. C'est la mafia, voulez-vous, oui. Henri de Sandiagba, oui. Oui, c'est juste pour compléter mon frère Pafio. Vous savez, par le passé, avant l'arrivée de FTF Togo Connect, vous savez, les dossiers que les commissions d'homologation traitent. J'ai été pendant longtemps aussi vice-président de la commission d'homologation au SUROC. Et vous vous rappelez de l'affaire Oblité? Bien sûr. C'était à notre époque. Il a fallu envoyer des gens au Ghana pour aller scruter les pièces. C'était Baba Touré et puis Ozio à l'époque. Ils étaient membres de notre commission. Et lorsqu'ils sont rentrés du Ghana avec les preuves et que lors d'un point de presse que le président Feu de Bossou, à l'époque président de la commission d'homologation et de qualification, a brandi les preuves, je vous assure, ça n'a pas été facile pour eux. Au niveau de la presse nationale, au niveau même des membres du bureau exécutif, au niveau même des supporters du club qui était indexé dans cette fraude. Aujourd'hui, c'est vrai qu'au cours d'une saison, lorsqu'on a 1%, je dis bien 1% d'évocation ou de réserve, nous devions applaudir. Maintenant, comment traiter ces 1% d'évocation de preuve et de réserve, c'est ça qu'il vient de dire, que ce n'est plus nous notre problème. Aujourd'hui, nous sommes presque 178 administrateurs de FTF Togo Connect, club de première, deuxième, troisième division, ligue, académie, formation, individu, parti. Bientôt, on va mettre les féminins. Bientôt, on va mettre le club féminin. On va mettre également les arbitres, les détroits, on va mettre les arbitres également. Les arbitres, je les ai formés, oui. Sauf qu'on n'a pas encore mis en application cela. Donc, si on arrive à déceler cela, vous, en tant que leader d'opinion, la première des choses que vous devez faire comme idée, qui sont ces gens-là que chaque année créent des problèmes ou cherchent des problèmes pour mettre en déroute tout ce que la fédération fait. Vous les connaissez. C'est le seul même club qui fait, qui défait, qui fait, qui défait, qui cherche, qui fait ceci. Donc, et pourquoi dites-vous que c'est le seul même club? Mais s'il n'y avait pas des brèches, est-ce que ce club-là doit pouvoir réagir? C'est ça que je dis. C'est ça que je dis souvent. Tu as l'habitude de parler, Mina, mais voilà, pour ça je dis, tu m'excuses, je suis un Ajavon du Nord. donc, nous devions arrêter cela. Le Connect FIFA, en l'occurrence FTF Togo Connect, est une mine d'or à ciel ouvert. À chacun, ou à chaque dirigeant, où chaque Togolais qui veut en faire ou en procurer vient, nous allons l'aider à réussir ce qu'il veut. Maintenant, s'il y a des esprits malins qui pensent qu'il faut à chaque fois changer, je vous ai parlé des conséquences qu'il y a là-dedans. Un joueur aujourd'hui qui change son identité, nom, prénom, âge, va faire une carte d'identité nationale. S'il est sélectionné, au niveau du passeport, ça ne passe pas. Il est condamné à ne jouer que le championnat national. Combien il gagne dedans? Alors que tout joueur aspire à voyager. Tout joueur aspire à jouer la haute compétition. Si aujourd'hui, on se contente de la triche. Et puis, tenez-vous bien, la tricherie en sport te rattrape toujours. Si vous avez 40 ans et que vous vous amusez à changer l'âge, que vous êtes 20 ans, c'est bien. Mais si vous avez eu la chance ou pas mégarde, vous avez le passeport sur la tricherie et que vous voyagez. Vous croyez que les ateliers qu'on va donner à un jeune de 22 ans, vous, 40 ans, vous pouvez répondre à cela? Vous allez succomber. C'est d'où viennent les AVC. C'est d'où viennent les morts subites sur le terrain.
Je peux vous citer le cas de Marc Vivien Oufoué, le cas de Thioté, tous ces gens-là. Moi, je le dis, ces cas-là, ce sont des cas de tricherie que la France ou les sportifs français savent très bien. Parce que lors des ateliers, ce qu'on leur demande de faire dépasse leur âge. J'assume ce que je dis. C'est la presse française même qui a écrit ça. Très bien. Donc, nous devions faire très attention. La prochaine session que nous allons bientôt amorcer, c'est bien, c'est vrai que nous allons organiser des ateliers de renforcement de capacité. D'autres administrateurs vont rentrer dans le jeu. Mais ce que nos patrons de la Suisse nous recommandent, lorsque ces responsables des clubs, qui sont des administrateurs des clubs, rentrent des données qui ne sont pas vraies, il revient maintenant à nous, leur patron, de les sanctionner et de leur retirer la licence. Très bien. C'est tout. Voilà, tous ces petits problèmes, on va faire rapidement. Oui, là où moi, j'aimerais en venir. Quand vous vous souvenez, lorsque le problème de Maranatha Angers avait démarré, j'avais dit dans ce studio que normalement, la fédération doit avoir une base, un point de départ. Et c'est l'année où on a exigé les cartes d'identité. Si en ce moment, on détecte qu'il y a doublons, là, mais vous savez que si aujourd'hui, nous voulons parler de tous ces doublons, la plupart des joueurs togolais seront rentrés. Parce que si j'ai bonne mémoire, à partir de l'année où on a exigé la carte d'identité, il y a beaucoup de joueurs qui ont dû changer de nom pour avoir leur identité et évoluer actuellement. Très bien. John, oui, que faut-il faire pour éviter ces problèmes? Chaque saison, ça revient toujours. Hein. Les gens ont envie ou bien les gens tentent toujours de frauder. Moi, je pense que les clubs, les joueurs doivent être maintenant responsables. Parce qu'aujourd'hui, je viens d'apprendre que la fédération n'est pas... où ceux qui gèrent, les administrateurs qui gèrent le FTF Togo Connect ne sont pas responsables des enregistrements des clubs et des joueurs. Et c'est ce qu'ils ont sous la main, c'est avec ça qu'ils travaillent. Moi, je pense évidemment que si on se base sur ce fait-là, les joueurs et les clubs doivent être responsables. Le football, quand on est plus âgé, on n'est plus à même à faire des réflexes, on n'est plus à même à faire certains gestes pour véritablement soulever des foules. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne force pas le destin, on ne force pas le football. Quand on est âgé, on reste sur place et puis on laisse les petits évoluer. Parce qu'aujourd'hui, le problème est que quand on prend le litige entre Maranatha et Ange, ça vient d'un joueur qui a une double identité, qui a fait un passeport ghanéen et qui vient ici, change de nom. Pourquoi faire tout ça? Parce qu'il veut coûte que coûte diminuer son âge et être quand même dans les sérailles pour véritablement plaire au club qui éventuellement pourrait être séduit son talent. Moi, je pense évidemment que si on reste par là, si on reste toujours à faire ce genre de fraude, on n'ira pas loin. Prenons l'exemple de... Pour finir, l'exemple du meilleur buteur de la Coupe du Monde U17 2007-2009, si ma mémoire est bonne, le Nigérien Chrysantos Makolé. Oui, il a marqué des buts à l'époque, quand on voyait son gabarit ou autre, on savait pertinemment, on n'a pas les preuves, mais on savait qu'à voir sa forme et sa morphologie, il n'avait pas moins de 17 ans. Mais à l'époque, lors de cette Coupe du Monde, il marchait sur tout le monde. Mais après, il a disparu. Il a trouvé un contrat en Suède, en première division. Il n'a pas pu véritablement être à la hauteur des événements. Ça veut dire que quand on triche, on n'est pas toujours performant sur le terrain. C'est l'histoire de Bassong aussi. Oui, il court très rapidement. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons appeler à l'honnêteté de tous les acteurs. L'honnêteté en football. En football, malheureusement. On peut y arriver. Malheureusement, les uns et les autres prouvent que c'est difficile d'avoir l'honnêteté. Et ça nous rattrape. Comment ça nous rattrape? Aujourd'hui, beaucoup, dans l'affaire Maranatha, beaucoup ont dit que c'est Conan FIFA qui fait foi. Beaucoup l'avaient dit pour se défendre. Alors que ce n'est pas ça. Conan FIFA ne fait pas foi. Je le répète encore une fois, beaucoup nous avaient critiqué, moi, ma personne, on m'avait critiqué parce que j'ai dit que non, Conan FIFA ne fait pas foi. Conan FIFA, c'est ce que vous envoyez. Maintenant, voilà pourquoi il y a les commissions juridiques également. Pour peut-être juger ce qui a échappé à Conan FIFA. Conan FIFA est clair, il y a des papiers qui peuvent échapper à Conan FIFA. Mais quand on argumente
que attention, ça a été déjà enregistré par Connect FIFA, etc. C'est ce qu'on rentre dans la machine que quelqu'un qu'on a vu. Ouais. Maintenant, ça peut échapper. Là, le travail de au niveau de l'enregistrement et de licence et de Connect FIFA, c'est terminé. Au-delà maintenant, il y a les commissions juridictionnelles qui sont là, qui peuvent trancher. C'est là où moi j'appelle à l'honnêteté des uns et des autres. Très bien. Et je dis, si il faudrait que tous les acteurs, parce que quand on parle de commission juridictionnelle ou autre, c'est les acteurs. Ces membres-là sont élus par le Congrès. Et le Congrès, c'est qui? C'est tous les acteurs. Si nous sommes honnêtes et que nous voulons faire du bon football, les uns et les autres ont donné des exemples. La tricherie dans le football, la tricherie dans le sport existe. Mais à chaque instant, chaque année, ceux qui sont à la tête veulent éradiquer ça. Ça ne va pas finir, hein. Beaucoup le reconnaissent, ça ne finira pas. Même au niveau des agents, des intermédiaires, ça existe. La tricherie existe au et plus existera haut niveau toujours. Et existera. Très bien. Mais il faudrait que nous fassions preuve d'honnêteté pour l'éradiquer petit à petit. Heureusement, moi je dis, c'est une fierté pour moi aujourd'hui quand ils le disent, que durant tout un championnat, on a eu que peut-être 2 cas d'évocation et de réserve et tout. C'est une bonne chose. Vivement qu'on arrive à 0 cas. Très bien. Voilà, on va évoluer très rapidement. Avant de vous laisser partir, Pafio Dobou, il y a de petites questions qu'on vous pose pour vous connaître un peu plus. Pafio Dobou, comment vous définir votre personnalité? La simplicité. L'honnêteté. Très bien. À qui voulez-vous ressembler, par exemple? À moi-même. À personne d'autre? Oui. Non, il a dit Mohamed. Hein. Moi-même. Très bien. Chapeau ou casquette? Casquette. WhatsApp, Facebook ou Instagram? Tout. Les trois. Ouais. Radio ou télé? Plus radio. Pantalon ou jean? Jean. Chemise ou t-shirt? Chemise. Couleur préférée? Le bleu. Jogging ou marche? Marche. Moto ou voiture? Moto. Musique préférée? Le jazz. Lorsqu'on vous présente Toufan et King Benson, vous prenez qui? King Benson. Myriam Makeba, Bella Bello? Myriam Makeba. Que mangez-vous souvent? Akoumé Foufi. Lecture ou voyage? Voyage. À part le football, quel est le sport qui vous fascine? Le basket. Votre rêve le plus ardent dans la vie? Est-ce que j'ai un rêve? Je ne sais pas. Je n'y ai jamais pensé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Je vis au jour le jour. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La santé, une longue vie. Merci, Pafio Dobou. Vous également, Henri Desson Diagba. Oui, comment vous définir? Simple. À qui voulez-vous ressembler, vous? À moi-même. WhatsApp, Facebook, Instagram? Les trois. Pantalon ou jean? Jean. Radio ou télé? Télé. Chemise ou t-shirt? T-shirt. Couleur préférée? Blanc. Jogging ou marche? Marche. Moto ou voiture? Voiture. Musique préférée? J'aime plus le zouk. Collé serré. Ah! C'est un voyou. Y a-t-il un artiste préféré? Love et puis Love, à l'époque. Mon artiste préféré, il s'est passé autour de cette table. Oui, dites-le. C'est Sting. Sting? Yes. Ah, ça, c'est. Il est très fort, je connais un peu. Que mangez-vous souvent? Sting, le plus rock. Je mange Fétri Poupou. Ça, c'est de chez vous. Oui. Au fin fond de Dabran. Très bien. Lorsqu'on vous présente Toufan et King Benson? Je préfère King Benson. Bella Bello, Myriam Makeba. Bella Bello. Ouais, quelle est cette chanson de Bella Bello? Bléoué. 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 Miada Bello. Bléoué. Miada Bello. Bléou. Pas faire comme une personne qui a cette chanson. Seigne Trova, Mega, Jolé Bonio. C'est l'une de ses chansons aussi. Ouais. À part le football, quel est ce sport qui vous fascine? Lawn tennis. Ah, lecture ou voyage? Voyage. Votre rêve auquel vous tenez très fort? Effectuer un voyage présidentiel avec le président Faure.
Ah, mais je pensais que vous voulez prendre sa place. Donc, effectuer un voyage avec lui. Avec lui. Ah, très bien, c'est bien enregistré. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Longue vie et beaucoup de chance et beaucoup de promotion. Très bien, merci Henri Dessondiagba. On va voir les auditeurs, Théo. Peut-être qu'ils font foutre éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale, c'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Hein. Non, arrêtons des comédies. Crions directement au sommet que c'est comme ça, ça ne va pas. Point de vue. Les auditeurs, les auditeurs, les auditeurs, les auditeurs. Les auditeurs. Oui, il y a un auditeur en ligne, allô? Oui, allô. Bonjour. Oui, oui, bonjour. Oui, votre nom? Le Mancunien. Mm-hmm. Dodi. Oui, mon frère Sankar. Tout va bien? On rend grâce à Dieu chez vous. Ah, ça va. Et ce match demain, Liverpool-Manchester United? Non, on aura les 3 points quand même. Très bien. Ça sera difficile, mais on aura les 3 points. Mm-hmm. Et j'ai dit bien des choses à votre plateau. Merci. Et je vous salue tous pour tout ce que vous faites pour le football et le football, et le football mondial. Merci. Et je souhaite une bonne chance à nos dames qui nous ont donné, qui nous ont fait l'honneur hier. Là. Très bien. Merci. Et merci à Madame Caillé pour son travail qu'elle fait. Et merci à Madame la ministre aussi pour tout ce qu'elle fait aussi. Très bien. Allez, à très bientôt. Excellent week-end. Bientôt. Oui, quelqu'un derrière, Dodi, allô? Allô? Non, pour le moment, non. Mais voilà, on a encore quelques minutes. Allô? Pas encore. Voilà, vous avez le 92 03 60 31 97 24 26 26 pour avoir accès à cette émission. Allô? Ouais, bonjour, monsieur Franck Nounyama. Oui, bonjour, cher ami. Avoir de quoi dire, nous quoi dire. Oui, bien sûr. Juste un petit bonjour à vous. Merci beaucoup. Hier, j'ai eu l'occasion de discuter avec la capitaine des Épervier le matin avant le match. Oui. Et selon les informations, ils ont bien joué. Nous avons apprécié. Le match retour, je ne crois pas que ça sera un match de piège quand même. Mm. Ils vont rapporter le deuxième match, je suis sûr. Très bien. Et un petit bonjour à tous les Madriliens. Et 4-1 pour le Real de Madrid. Ah, 4-1 pour le Real. Voilà. Vous avez un compagnon en studio ici qui est déjà en maillot du Real Madrid. À très bientôt. Demain, Real Barça, Classico. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Vous diminuez le volume de votre poste, hein? Ok. Mm-hmm. C'est Papa Athée. Papa Athée. Oui. Tout va bien? Ok, on vous écoute. Il est parti, apparemment. Allô? Oui, bonjour, Nounyama. Bonjour, cher ami. Et bonjour à tes collègues qui sont autour de toi là-bas. C'est Cogito. Ergo Sum, je pense donc aussi. Mm-hmm. C'est bien. Mm. Je rentre en ligne pour féliciter nos éperviers d'âme. Mm. À leur retour, pour pas qu'elles se croisent leurs bras en disant que. Elles étaient parties là-bas battre Sao Tomé, Principe. Elles n'ont qu'à tout pour rapporter les 6 points avant qu'on nous regarde ce que devant va nous donner. Très bien. Et on dit en hiver. Allez-y Sao très Tomé. Rapidement, oui. Allô, on dit en hiver. Sao Tomé a mis foyer, donc à Bosrobeni et à Gomiraquin et Koulayoblana. Donc c'est ça, elles n'ont qu'à tout faire pour remporter les titres. Je vous rappelle que vous avez un t-shirt gagné lors des matchs. Il faut venir chercher, sinon je prends. Allô, venez chercher, sinon vous n'aurez plus droit à ça. Allô? Oui. La semaine prochaine, je serai là. Parce que cette semaine qui vient d'écouler, c'est tellement pris, donc c'est ce qu'il y a fait. Donc la semaine prochaine, jusqu'à la fin de la semaine prochaine, je serai là. À très bientôt. Oui, quelqu'un donc, encore? Oui, quelqu'un derrière Cogito, 92-03-6031, allô? Oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour, cher ami, votre nom? Oui, c'est Aziz le Barcelonais. Le Barcelonais? Oui. Mm-hmm. Je propose à 5-0.
Pour qui? Pour Barcelone. Ah, très bien. Pour vous, ouais. Le Barça va gagner 5-0. On verra bien demain. Oui. Le match est belle pour le Manchester United. Oui. Elle va pouvoir gagner 3-0. Bien, c'est noté. Ce sera tout. Oui. Je voulais de Mohamed Salah. Très bien, merci. À très bientôt, le Barcelonais. Okay. Oui, Théo, ouais. On prend un dernier. Oui, allô? Allô, bonjour Franck. Bonjour, Gérard Sélassié. Oui. Tout va bien? Oui, tout va bien. Oui, à propos de Comet FIFA. Oui. Ça dit que le premier jour où on a entendu parler de ça, nous on a pensé que c'était la fin des problèmes. Mais hélas, je voudrais demander le Comet FIFA à apporter quelle solution au juste. Merci. Voilà, ce sera, vous aurez la réponse certainement dans la prochaine émission parce que là, on est pratiquement à la fin. Allô, quelqu'un derrière, c'est tout? Oui, ce sera tout. Merci. Merci à vous, chers auditeurs. On a été ensemble pendant 3 heures. Ça fait plaisir de vous retrouver. Merci à Jonah Tissot de l'équipe 228, Ico Rodrigue, Mohamed Touré que nous retrouvons. Merci également à Sylvestre Alassi, la présidente de la Fédération Togolaise de tir à l'arc. Merci Henri de Sondiagba, patron du Connect FIFA, la Fédération Togolaise de football. Pafio Dobou, le directeur des compétitions nationales et internationales à la FDF. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Portez-vous bien. À bientôt.